so gay. Like right around snow day. Wish I could fall when I think of I was trying my sword. What am I starting at? Why do I feel like the one who is right? In bouncing her and fever blood, where I should chase a legend. So go back anywhere or any place. With the silence made me louder. We are the giants now alone. Choosing the way was our song. I'm always there as my own fist way. Carrying my world to the end. Shouting to the future and bring it down. How we wanna just bring it back. Mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur OGaming pour cette nouvelle matinée de LPL. On arrive en fin de semaine, c'est bientôt le week-end. Prenez vos petits croustillunes et vos petites chocolatines pour ce petit déjeuner. T'es le meilleur Cardoom, franchement. Bonjour à tous, ouais, ça nous fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les deux rencontres, les deux BO3 de cette journée. Vous le voyez hein, derrière nous, les Raratom contre les Bilibili Gaming et ce sera suivi par les EDG contre les JD Gaming. Exactement, deuxième BO qui va être exceptionnellement relevé, épicé. Ou peut-être doux, je ne sais pas. En tout cas, pour le premier, on a quand même un dieu grec. Mais non, bah, ça c'est moi. Un dieu égyptien face au Billy Gaming, pour le coup. Je t'avoue qu'il est possible que les Raratom se fassent désintégrer. Alors, déjà pas mal. Mais ensuite, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense sincèrement que les Raratom vont exploser Billy Gaming. Oh. Je les trouve vraiment, ils m'ont surpris contre Sunning, j'aime bien cette équipe. Ils récupèrent également Leyan, leur jungler, parce que c'était ex qui était jungler avant. Et c'est maintenant leur ex. Il est ultra chaud, il est ultra chaud Gardeau ce matin. Il est tout le temps ultra chaud de toute manière. Et il y a un petit match dans le match, puisqu'il y a Highboy, l'AD carry des Raratom, qui était... en fait c'est plutôt Zeka, c'est Zeka qui est parti chez Bilibili Gaming. Et il était avant chez l'équipe des Raratom, avant il s'appelait VT Gaming. Donc voilà, il y a un petit match dans le match entre l'AD carry Raratom et le mid laner des Bilibili Gaming. Pendant qu'on voit le classement, hier on a eu Team W qui a 2-0 et Royal Never Give Up qui a 2-0 également, c'était contre OMG du côté des RNG et pour les W, ils se sont imposés contre les Thundertalks Gaming. Ouais, et je t'avoue que je suis toujours choqué et déçu un petit peu de ce ranking du côté de la LPL, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Hein. On s'attendait pas à RNG au top, alors là par contre il y a Croc qui doit jubiler, mais tellement. En plus de ça, hier, le compte Twitter RNG a RT Croc en lui disant qu'il était beau, un truc du genre, et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Vous avez les deux matchs du jour, on vous en a parlé tout à l'heure, bien sûr, alors, vous savez que c'est la LPL, du coup tout peut aller très vite. Ouais. Comment j'aimerais bien voir cette journée se dérouler? J'aimerais bien voir 2-0 Raratom. Voilà. Et ensuite 2-0 JDG, parce que les JDG j'ai envie de les revoir à leur vrai niveau. Alors, le problème des JDG c'est qu'ils font quasiment jamais de game rapide, parce que c'est pas une team qui sait jouer vite, qui est très forte en lane. C'est une team qui est très forte en team fight, donc faut le temps que ça se mette en place, tralala, gna gna gna. Bref, vous connaissez un petit peu le principe, mais très curieux un petit peu de voir tout ça. Et je suis aussi content parce que là on est dans la semaine où toutes les ligues ont reprise quasiment. Il y a que le LEC qui reprend aujourd'hui, mais on a eu la LPL, après on a eu LFL, tout ça, Div2 aussi qui arrive. Bref, plein de choses, scène FR, scène nationale, scène internationale, la scène chinoise est incroyable. Et vous savez que la scène chinoise, en fait, tout l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'inspirent de ce playstyle très agressif, parce que ça joue tout le temps, ça joue vite, ça joue fort. Et du côté de la LCK, pardon, et globalement, il y a que les meilleures équipes qui arrivent à avoir et les deux, et un jeu très agressif et clean, mais un jeu aussi aggro dans le général, c'est en LPL, et je pense... Que c'est pour ça que cette région en fait permet de développer un peu le monde, parce que tu t'en inspires pour jouer agressif et après tu dois adapter à ta sauce pour jouer agressif mais en plus clean qu'eux. C'est vrai, ouais, je te rejoins là-dessus. Et on revoit là quelques plays entre l'Invictus Gaming et les Bilibili Gaming qu'on va voir hein. D'ailleurs c'est BLG dans le premier BO de la journée. Et je voulais revenir sur Leyan. Normalement c'est le main jungler hein, de cette équipe des Raratom. Il a pas pu jouer les deux premiers matchs parce qu'il était suspendu, tout simplement. Il avait utilisé un bug en solo queue, un bug avec le smite sur Kane, voilà. Et du coup il avait été ban pour les deux premiers BO. Il y a eu un partout dans un mode salaire. Non, bon, comme s'il avait oublié un smite. C'est vrai qu'on a déjà eu ça. Et côté Bilibili Gaming, Meteor, le jungler de cette équipe, avec une peluche insane. C'est un coussin, quoi. Ouais, c'est un coussin. Un coussin à tête de chien. Si tu veux te faire lécher l'oreille, Len.
Qu'en penses-tu? Bof. Ah, voilà. Mais ça réveille et tout. Météor, c'est un jungler qui est assez fort. Il a une Lilia notamment que je trouvais exceptionnelle. C'était la première Lilia qu'on avait vue très bien marcher du côté de la LPL à la sortie du personnage, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y étaient essayés dès les premiers jours. Et en fait, la seule qui avait été efficace, ça avait été la sienne. Mais il a rejoué d'ailleurs récemment, là on a vu au niveau de ses picks, c'était Olaf, Panthéon, Graves, mais il a rejoué récemment, il a encore une fois été plutôt balèze dessus. C'est un pick avec lequel il faut jouer avec les limites, une range très très courte, et il le fait excessivement bien. Maintenant, toi, t'as l'air confiant pour les rares atomes. Ouais. Écoute, je vais suivre un peu ton rôle, moi je les ai jamais vus de mes yeux ébahis. Okay. Voilà, du coup, je vais découvrir un petit peu cette équipe. Je suis comme un enfant le jour de Noël quand il ouvre ses cadeaux. Ah, c'est bon. Alors j'espère que le cadeau, tu vois, je vais pas le regarder en mode « Ah, et aller jouer avec le papier, quoi. » Non, je pense pas. Rare Atom, c'est les Vici Gaming, quoi. Il y avait Koma avant, il est reparti quand même bien sûr en Corée, mais c'est une équipe qui est très forte en termes de rotation et ils arrivent à très très bien jouer avec la tempo et les swap lane, les héros de la faille, jouer sur ce genre de choses, et c'est là-dessus qu'ils ont fait principalement la différence contre Sunning et qui voilà, ils ont tout simplement 2-0 les vice champions du monde, donc c'est pas rien. Par contre, ils avaient pris 2-0 un petit peu plus tôt. C'est que Sunning, quoi. C'est ça. Mais ils avaient pris 2-0 un petit peu plus tôt des Top Esports. Voilà, c'était en semaine numéro 1. Donc ça pouvait être inquiétant, mais bon, ça, les petits soucis qu'il pouvait y avoir ont l'air d'être résolus. On voit Fofo, le mid laner des Raratom avec Zoé. Pour l'instant, il a 100% de win rate dessus et il a été très très chaud dans le BO contre Sunning, particulièrement avec sa Zoé. Il a d'ailleurs eu un MVP sur son 9-1-3, je crois, et il avait 25 sacs de Medjay. Enfin, il a roulé sur la game, quoi. Mais il y a beaucoup de MVP au niveau de la mid lane d'ailleurs. Je me sens de chance aussi, même principe. On a eu. Je crois que c'est les ADC qui dominent en ce moment. Il y en a pas mal, mais ça change un petit peu. D'ailleurs, les ADC, il y aura quelques modifications, ouais. Parce que vous le savez, sur le live, en tout cas, il y a un changement au niveau du patch. On a maintenant un petit nerf au niveau de la Gale Force, notamment, qui est passé de 60 secondes à 90 secondes. Mm-hmm. Mais comme ça change pas les stats de base de l'item et le fait de donner de la mobilité à des personnages qui n'en ont pas, t'as le dash, t'as la vitesse de déplacement, je pense que l'item restera excessivement fort. Peut-être moins mandatory sur un petit peu tout le monde, évidemment, mais ça reste assez balèze. Et on va revoir quelques petits moves au niveau de la top lane ici. Le dive des rats! Sur les Sunning. Ouais. Mais Sunning, après, c'est pas une équipe qui était considérée comme très forte. Du coup, on les sent bien, je trouve, en ce début de split, à leur vrai niveau. Et on a perdu un petit peu de la superbe des Worlds. Bah, il y a plus Sword Art, quoi. C'est ça. Mais ça change tellement. Hein, c'est mais fou. Oui, c'était l'un des shots callers principales de cette équipe. Donc, forcément. Et je sais pas si vous avez fait attention sur les compositions qu'on a vues là du côté des Raratom contre Sunning. Il y avait Jayce Zoé, donc beaucoup de POC. Et derrière, t'avais une grosse composition engage à base de Panthéon Leona et un gros carry qui scale joué par iBoy. Il a 100% de d'ailleurs pour l'instant sur sa Xayah, et en fait tu poques et une fois que les adversaires sont assez low, bah tu peux envoyer ton Panthéon, ta Leona et clear le fight, et ça a été très bien joué puisqu'ils arrivent à très bien jouer avec leur prio de lane, ça passe tranquille. Donc ouais, je suis curieux de voir quand même ce que ça va donner contre les BLG, parce qu'ils ont quand même sur le papier une line-up qui est pas si mal que ça. Normalement, oui. Oh, et on nous annonce qu'il y a une petite interview de Météor. Okay. Vas-y, fais péter Cosby. Ah, bientôt l'interview de Météor, c'est très bientôt, ça va arriver tel un Météor, quoi. 下一场打A的话应该要比较注重他们的中单跟AD选手吧，然后可能会前期会针对一下他们，然后打开局面。马上就要和Fofo对战了吧，然后之前也和他当了一连队友，然后打他的话应该会特别特别烦这样。听说国豪要来中路找我玩，我蛮欢迎他来的，因为抓我抓不死，游戏就赢不了。面对BOG的话，其实就是。 不用特别准备什么吧，我感觉就是把自己的状态调整好就能拿下。 Ok, bon, wow, plutôt confiant. Fofo, c'est vrai qu'il y a ce match dans le match également de ce côté-là. Fofo contre Météor, bien sûr, côté BLG. Et bah, tout simplement, Fofo qui a dit que bah, si le jungler de l'équipe des BLG arrivait sur sa lane, et voilà, il lui ouvrirait les bras, il dit viens, il n'y a pas de problème. Et s'il n'arrive pas à le tuer, bah, la game sera perdue pour lui. Jolie petite taunt de la part de Fofo. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Après, les Chinois sont quand même bien meilleurs en taunt que les Coréens en général. On se souvient l'année dernière, la vidéo avant les Worlds, bon, ça s'est mal passé pour eux au final. Ils ont perdu, mais dans tous les cas, la vidéo avant les Worlds, c'était du bon vrai taunt, tu vois, en Chine, alors qu'en Corée, c'est toujours en mode c'est peut-être un peu trop mignon, et je trouve ça très drôle en fait, les différences entre les deux équipes, même si on commence à avoir des joueurs qui sont de plus en plus expressifs un petit peu partout. Bon, LFL, je crois que c'est le mieux, hein, globalement, à ce niveau-là, mais la scène FR, c'est incroyable. Et comme cette scène s'inspire de la Chine, ça signifie que la Chine, c'est la meilleure scène.
C'est vrai. C'est... Non, mais c'est cohérent. Je suis d'accord avec cette analyse. Après, je suis en train d'essayer de convaincre des gens qui sont déjà là. Du coup, c'est pas fou quand même comme truc. Mais tu fidélises, voilà, les Exactement, joueurs. Exactement, soyez fidèles. Exactement. C'est toujours mieux en général. Bon, en tout cas, de BO, moi, en vrai, c'est le premier qui me hype le plus. J'aime bien, tu vois, les Rare Atoms. Ça pourrait devenir mes poulains, en fait, pour cette saison. Ouais, vraiment, j'apprécie déjà vite. Tu les mettrais dans du lait chaud et tout avec des céréales, quoi. Exactement, un petit chocolat chaud et c'est parfait. Et. Pour une fois que j'ai une rêve de Gardoum. Et du coup, ouais, ça pourrait devenir mes poulains. Parce que, bah, comme je disais, j'aimais beaucoup les Vici Gaming. Et c'est le rebranding, tout simplement, de cette équipe. Donc pourquoi pas aller les joueurs des Rare Atoms qui arrivent avec QB, Leian, Fofo, iBoy et Heng, rôle de support. Et en face, les Bilibili Gaming avec... Moi, le seul joueur qui me plaît chez eux, qui me plaît en termes de playstyle, c'est Meteor, bien sûr. Les autres, j'ai l'impression, ne sont que là pour l'accompagner, biou-biou, au niveau de sa top lane. Après, au niveau de la bot lane, c'est assez rigolo parce que Heming, notamment, c'est un carry AD que je trouvais assez fort du côté des Africa Freaks à l'époque. Enfin, assez fort. Oui, il était vraiment pas mal. Le truc, c'est que il était pas non plus dans les top AD carry du côté de la Corée. Et c'est un particulier, ce qui fait que là il arrive en Chine, bah pareil, il est pas mauvais, mais sans être quand même non plus Marc, et bien meilleur. Je trouve que le duo Marc-Météor marche bien. Oui, c'est vrai que c'est plutôt ok de ce côté-là. D'ailleurs, Marc qui a fait pas mal d'équipes avant de se retrouver chez BLG. Je crois qu'il a fait deux équipes différentes sur l'année 2020, si mes souvenirs sont bons, avant d'arriver là à la fin de l'année chez les BLG. Et puis t'imagines, s'il part d'une équipe et il revient, c'est-à-dire qu'on le remarque. Allez. Ah, ça me fait plaisir là dès le matin. Il faut sourire. Il faut savoir que sourire, même si vous forcez ou si vous forcez à rire, vous allez produire quelques petites hormones assez sympas, dont de l'endorphine si vous rigolez. Voilà, c'est cadeau. C'est moi, je vous donne du bonheur hein, dans la vie. N'hésitez pas. Les équipes qui se mettent en place. On va essayer de réfléchir à une draft. Alors, est-ce qu'on va voir de la REL? La REL est un pic qu'on n'a pas vu du côté de la Chine. Il est quasi oublié. Voilà, ce pic n'existe pas pour le moment. Alors que sur toutes les autres scènes du monde, bah, on a vu qu'il y a un petit peu de REL qui sont arrivés. On rappelle, hein, c'est un pic. C'est quelqu'un qui a moitié cheval, à moitié armure, qui pète les shields, comme Renekton, comme Blitz, qui en plus de ça peut faire un dash-in, qui a un côté un peu support, mais qui récupère des stats adverses au niveau des résistances. Ouais, c'est pas le pic que je connais le plus, exactement, pour être honnête. Actuellement, le fait de ne pas en avoir vu n'aide pas. Mais c'est un pic qui est passé un petit peu à la trappe quand on compare à la sortie de Samira. Oui, c'est vrai que c'est pas le pic qui a été le plus mis en lumière. Je te rejoins. On l'a un petit peu plus vu d'ailleurs du côté de la Corée, mais je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir une lane agressive avec une REL à base de Kalista, tu vois, parce que Kalista avec son appel du destin, elle peut ramener la REL et la permettre de réengager, parce que REL, son problème principal, c'est qu'une fois qu'elle est engagée, elle est plus sous monture et elle se déplace très lentement, 245 de vitesse de déplacement de mémoire, donc c'est très lent et ça pourrait en vrai être une bot lane assez agressive. Après bon, il y a quand même des supports qui sont très alléchants de jouer avec Kalista, on pense à Alistar, Taric et Blitzcrank également, pourquoi pas. Après, le problème de Kalista pour moi, c'est que tu n'as pas beaucoup de prio de lane, dans le sens où tu fais le Runan en deuxième item normalement, et que malheureusement avant cela, bah tu vas te retrouver près de ta tour complètement push, ce qui fait que t'as pas de prio bot, ce qui veut dire que le jungler est dans la mélasse aussi. Suffit que t'aies pas une mid lane non plus qui gagne, et du coup tu peux pas jouer les carapateurs du tout, donc ça donne encore plus d'avantages à l'équipe adverse en termes de gold, en termes d'XP, mais aussi bien sûr en termes de vision sur la map, donc économie de ward aussi, donc un nouvel avantage économie. T'as plein de petits soucis avec la Kalista, à moins que tu domines à fond, et dans ce cas il faut un jungler vraiment qui puisse venir t'appuyer très tôt. Et je parlais d'Alilia tout à l'heure, de celle de Meteor, mais on va partir sur celle de Leian. BLG Ping and Bank. Ok, sympa le nom de BLG contre les Rare Atoms qui auront le blue side first pick de Lilia pour Leian. Bien sûr, on a ban des carry hein, principalement Akali, Twisted Fate, la Zoé de Fofo qui a été respectée bien sûr puisqu'on a le first pick côté Rare Atoms. Ban de Keisa et Samira, deux AD carry qui sont très très bons dans la méta. On peut retrouver, voilà, j'allais en parler, Xayah au niveau de la bot lane, Aphelios également, pourquoi pas. Et le Graves qui a été pris en réponse de Lilia. Alors attention, parce que Graves, c'est pas forcément le meilleur jungler contre les AP jungle. Et en plus, c'est un peu un bait pick en ce moment, parce qu'il a 20% de win rate à peu près en LPL. Bah ouais, parce que c'est un pick qui va pas perdre sa jungle. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent Graves, hein. Ça ne perd pas la jungle. Maintenant, c'est pas un pick qui va lui-même faire des choses dans la game. Faut lui donner de l'avance en early pour que ce soit un carry en fin d'early, début de mid-game, lors des teamfights.
C'est un peu comme un Lucian, hein. C'est le même principe qu'un Lucian finalement. Si tu lui donnes pas d'avance en early, bah, il va pas perdre, hein. Il va faire un bon taf, mais c'est tout. Et puis après, il y a quand même pas beaucoup de portée. Du coup, bah, c'est juste un pick stable. Là où une Talia, je trouve ça bien plus rigolo quand même. C'est tellement efficace une Talia qui est bien jouée. Mais bon, on verra. Jhin ici au niveau de la botlane, ce qui peut déjà setup potentiellement des ganks. Là, Leona a été ban. Ce qui veut dire que tu peux prendre Alistar potentiellement là. Tu prends le Alistar. Et ah, tu t'exposes à un Thresh si tu prends Alistar du côté des rares atomes. Après, est-ce que t'as peur du Thresh de Mark? Est-ce qu'il n'y a pas un mid laner qu'on peut blind là plutôt? Rihanna, Syndra, voilà, c'est la réflexion que j'étais en train de me faire. Et garder la réponse au niveau du support, il y a moyen, quoique on a l'air quand même de s'orienter vers Xayah. Ok, Xayah qui sera sécurisé contre Jhin, donc on gardera le support en blind et ça peut offrir effectivement la Syndra dans les mains de Zeka. On a quand même pas mal de range et de burst hein, du côté de ces Bilibili Gaming. Il va falloir avoir de l'engage et de la front lane maintenant. Donc on devrait s'orienter vers ce type de ban pour les rares atomes. Tu vas... Ouais, tu veux récupérer qui? Moi je pense que tu veux récupérer Alistar bot. Ouais. Qui serait la meilleure protection possible. Si pas Alistar, alors Nautiflus. J'aime pas trop l'idée du Thresh là en plus. Oui, il est efficace face à... Ça renaît globalement dans une certaine mesure. Tu peux repositionner ta Syndra, tu peux repositionner ton Jhin. Mais il me paraît moins intéressant en termes défensifs pur et dur. Surtout que face à une Xayah, si tu te retrouves avec un Thresh, bah, pour la peine capitale, t'es pas sûr qu'elle touche. C'est un peu... Ça peut être un peu gênant. On va ban le Yone. Bah, du côté de Fofo, tu joues un Yasuo. C'est dommage, c'est qu'il va sans doute pas prendre Yasuo. Hein. Évidemment, on va se retrouver avec, je sais pas. Echo peut-être. Random Orianna. Echo, si. Ah, contre Syndra, c'est pas mauvais, Echo. C'est bien. Et vu que t'as le trio top jungle mid qui pourrait être un petit peu snowbally comme ça, il y a de l'idée. Ouais, je pense que c'est pas mal. Un peu bête. Tout. Et ça assure un bon scaling aussi parce que Xayah Echo, ça scale très très bien. Thresh qui sera finalement ban. Je bête qui. Là où on a ban plutôt de Langage également côté BLG avec Rakan et Yasuo. Le Gragas qui est montré qui devrait être top lane s'il est sécurisé. Ça fait encore une potentielle menace. Hein. On sait que Gragas peut être joué AP. Après, là, je conseillerais quand même de partir tank avec ce Gragas. Ou en tout cas, tanky un minimum. Mais est-ce que c'est marrant de jouer Gragas tank? Là, on en arrive à un autre problème, tu vois. C'est-à-dire que t'as envie de détruire ton adversaire. Le problème, c'est que Rennec, la plupart des Rennec, ils gagnent face à Gragas. Bah ouais. En fait, à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen avec Gragas de gagner face à Rennec? Je suis en train d'essayer de réfléchir comment. Parce que les tanks perdent à chaque fois. Donc, est-ce que AP, t'as pas plus d'options, quoi? Bah, c'est terrible, mais quand j'ai voté pour Billy Gaming, il y avait une cote qui était vachement cool et intéressante. Je me suis dit, vas-y, j'ai beaucoup à gagner et peu à perdre. Et finalement, là, je me retrouve à me dire, depuis que j'ai voté, paf, la cote. Ah, merci. Merci Aureus d'avoir fait évoluer un petit peu cette cote parce que ça m'embêtait. Du coup, j'étais pas satisfait. T'as voté BLG? Ouais, okay. Bah ouais, parce qu'il y avait une bonne cote et je veux me refaire. Ok, ça marche. Du coup, bon, je comprends le principe. Lucian qui va être pick au niveau de la mid lane. C'est un match-up qui est censé être un peu positif, ouais, mais pas facile. Je préfère largement qu'on récupère la Orianna. Le Alistar, du coup, qui est disponible, forcément tu le lock hein, du côté des Billy Gaming. Ça va permettre l'engage, disengage, tout ça. Ou tu fais Malphite top. Malphite top et Gragas sup, c'est une possibilité aussi, ouais. Ah ouais. Malphite top, Gragas sup. Gragas support, pardon. Wow. Beaucoup plus sympa, je pense, ici. Ah, faites pas ce choix-là. Votre Gragas, il va être dans la mélasse. Ah, c'est lock. C'est lock, ça sera quand même un Alistar Jhin. Ok, donc on devrait globalement se faire un petit peu avoir au niveau de la botlane en termes de push côté Raratome. Avant le niveau 3 en tout cas de cette Xayah. Jungle, bon, on en a parlé déjà un petit peu. Mid lane, c'est un matchup qu'on connaît, hein, Orianna, Syndra. Faut pas trop se faire attraper. Et sur la top lane principalement où il y a un gros avantage pour les rares atomes avec ce Renekton. Donc normalement les junglers devraient se préoccuper de cette top lane. Côté rare atome, on va essayer, je pense, de faire un petit peu snowball sur Renekton. Là où côté metteur, peut-être éviter que Biobius fasse trop avoir. Après, il a du setup de gank, mid et bot, hein, le jungler des Bilibili Gaming, donc en fait il peut aller à peu près où il veut. Il peut faire ses choix complètement, et c'est très marrant de voir les rares atomes à gauche là, alors que sur le tableau périodique ils sont plus à droite en général. C'est vrai. Ah, ça c'est une petite blague de gens qui sont allés au collège quoi, déjà avant, on arrive dans du niveau qui peut être un peu plus compliqué. C'est donc ça maternelle sup. Ah ouais. Okay. Moi j'ai fait en maternelle sup, mais sinon je crois que c'est à peu près. Ouais, c'est collège, je crois, le tableau périodique. Ouais, de mémoire ça doit être là. Ouais. Mais j'ai confiance dans le chat. On a que des gens qui ont compris la blague.
Bon allez, cette game qui devrait pas trop tarder à se lancer. Pour moi, de mon côté, c'était quand même 10 000 pogs hein, sur les rares atomes. J'espère ne pas me planter. J'ai pas vu la cote d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle donne la cote. Moi, quand j'ai voté, c'était cool. Et puis après, c'est devenu moins cool. Genre, elle est naze là la cote. Ouais, c'est. C'est-à-dire que j'ai plus de chances de perdre beaucoup que de gagner beaucoup. Ouais. Vous votez Raratome, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de points sur Raratome, ils sont incroyables. Il reste 30 secondes. Vite. C'est maintenant. Raratome, envoyez non, des pogs. Mettez BLG. Non, mettez des pogs sur Raratome. Mettez des pogs sur BLG. Écoutez pas Aureus. Il veut juste augmenter sa cote. Tiens, regarde, pour te faire plaisir, je vais rajouter 10 pogs. Ah, super, merci. Voilà. Je suis donc passé à 10 010. Là, là. C'est le lycée pour commencer, tu t'as pas perdu. Non, c'est collège. Je pense que tu le vois au collège. Hein. Après, le fait que tu pousses un peu plus, peut-être au lycée, mais tu le vois au collège, le tableau périodique. Oui, je pense que c'est collège. Hein. Attends, Après, à moins que le programme ait changé depuis que j'ai quitté le collège-lycée. Moi, je me souviens, on avait un prof qui venait devant nous, il faisait tiens, arôme de banane, et il nous faisait sentir de l'arôme de banane dans un petit flacon. Trop bien. En chimie. Et j'étais en mode, okay, nous, on faisait au collège les fameux précipités blancs ou précipités bleus ou ce genre de choses dans un tube à essai, et voilà, ça rappelle des petits souvenirs au niveau des travaux pratiques. Entre on est parti dans sa gamme, il y a déjà eu un First Blood, Gardoum, un First Blood pour cette Syndra sur l'Axaya. De High Boy, le Bagarre Club est au rendez-vous très tôt ce matin. Non, mais attends, c'est-à-dire qu'il y a eu un body slash de la part de Biu plus un flash-in de Marc avec le Pulverize. Hein, d'après les Summoner Spell, je fais de la lecture de Summoner Spell, tu vois. Il y en a qui lisent dans les tripes de ton ou je sais pas quoi. Moi, je fais la lecture de Sums. Et il y a encore tout sur High Boy, donc il n'a même pas daigné éviter quoi que ce soit. C'est-à-dire body slash, flash Pulverize, je suis sûr. Ah mince. Ouais, mais il savait qu'il allait mourir. Ouais, il a accepté sommes, vraiment, ouais. Tu vois. C'est avec le sourire, il s'est dit bah écoutez, tout le monde meurt un jour, moi ce sera maintenant, mais j'aurai encore mon saut éclair. Ouais, donc c'est un moindre mal, dirons-nous. En tout cas, les junglers qui commencent au niveau eh bien, de leur red buff. Donc, passing un petit peu différent de part et d'autre. Là où la Lilia va jouer pour son topside et son Renekton, ce qui est une bonne idée. Apparemment, Meteor devrait plutôt jouer bot side. Donc, Syndra, Alistar, on le répète, il y a du contrôle. Donc, on a potentiellement du setup de jungle de ce côté-là. Petit point au niveau des runes qu'on a vu passer rapidement. Rien de trop atypique de ce côté-là. On a un Dark Harvest quand même sur Leyan. Sinon, voilà, les rushs phasiques sur Meteor et Zeka, ça reste globalement très classique. Et le prochain match, après celui-ci des Raratom, ce sera contre JD Gaming, qu'on verra d'ailleurs juste après. Oui, qui vont affronter les EDG. Et j'avoue que les EDG, c'était pressenti pour être chaud cette saison. Alors, on va voir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine où on commence à avoir beaucoup de matchs qui vont être assez la semaine fous. Prochaine, il y en a un qui est incroyable. C'est IG Fun Plus, The Shy contre Juguri. The Shy, The Nug. La boulette. Ça va être assez fou, effectivement. Dragon qui apparaît dans 2040. On a largement le temps. Enfin, 2030 à peu près. Là, on est vraiment toujours dans le premier clear des jungles. Et ce qui est assez particulier, c'est que les deux junglers sont pas dans des positions favorables parce que top on a pas réussi à faire beaucoup d'HP du côté de Cube, donc il n'y a pas de dive potentiel sur Bubu. Bot, certes, High Boy et Eng sont sous la tour à l'adverse, mais est-ce que vraiment il y a un trade à aller prendre pour Meteor? Je suis pas vraiment convaincu non plus. Et d'ailleurs, c'est un reset de la part de High Boy. Ok, c'est un reset qui est quand même très très tôt parce que là il a quoi 200 gold, 250 gold. Il peut acheter quoi, des bots rang 1 peut-être? Et encore même pas. Ah ouais, une épée longue quand même. Ah, mais il a beaucoup plus de thunes que prévu avec 14 CS. Attends. Ok. Choqué mais pas déçu. Il doit lui rester vraiment 0 gold. Elle est sortie de la base, je pense, mais ça lui permet d'avancer un petit peu, d'avoir un early un poil plus opti, en tout cas en termes d'itemisation pour l'early sur la lane. Ang qui est sneaky dans ce bush. Après, est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire? Non, il va juste se repositionner. Et voilà, parfait l'abordage pour retourner sous la T1. On joue Carapater top pour Leyan. Et comme on l'a dit, Meteor lui joue plutôt bot side, priorité mid pour l'instant pour Zeka qui trouve un bon petit poke là sur Fofo qui est très très low mana. Ouais, la bagarre au niveau de la mid lane, c'est pas fou. Après, la potion de corruption supplémentaire, hein. Zeka il a potion de corruption plus de One Ring. Forcément sur leur league game, ça fait le taf. Leyan qui a fait un coup au niveau de la mid lane. On aide Fofo à counter push. Hein. L'objectif, ça va être de pouvoir prendre un reset. Zeka qui prend quelques dégâts mais qui ne craint pas grand chose. Il le sait. Il peut back, TP back, GG, well play. Et je me demande si Fofo aurait pas dû faire un reset sans prendre le counter push et vraiment pour rester sous sa tourelle pour l'instant afin de permettre à Leyan de revenir après les deux téléportations. Essayer de freeze, ouais, ça aurait pu être une bonne idée. En tout cas, Leyan qui s'est montré, il a mis quand même beaucoup de dégâts à Zeka, ce qui lui permet d'avoir une première stack de Dark Harvest. Ce qui pourra peser un petit peu plus tard dans la partie. Meteor qui est vu au niveau de ses Crux par cette ward bien positionnée. D'ailleurs, il est très très bien cover, hein, QB sur cette top lane. Il y a une ward de Crux, une ward
au niveau de ce tribush top et le carapateur sécurisé. Donc il sait qu'il est safe. Leon qui doit être dans le fog, ça y est, là maintenant il est vu par les Bilibili Gaming. L'abordage qui va toucher le Alistar, on enchaîne les contrôles, le rappel depuis Millie Midlife. Mark, il ne pourra pas s'en sortir. Flash shot et le kill pour Eng grâce à l'Ignite. J'ai l'impression que l'abordage, il a hésité entre Jhin et Alistar et s'est dit hop, je vais à droite. Ouais. j'ai un peu eu cette sensation là. J'aimerais bien un replay au ralenti. Je suis en train de regarder là du coup sur la chaîne. Ah, c'est un peu ça. Ouais. C'est assez rigolo quand même à voir le truc. C'est bon, Jhin, Alistar, Jhin. Allez, l'autre est plus gros. Mais bon, ça permet quand même d'égaliser du côté des rats. C'est pas mal. On va avoir le dragon, le Drake qui est disponible maintenant. Il y a un reset au niveau de la duo line des rats. Donc ce qui veut dire que Meteor peut aller faire un dragon. C'est complètement gratuit. Au top pour Bubu, ça se passe pas bien. Mais ça, on le savait déjà. Qu'on soit d'accord, hein. Il peut pas y avoir de miracle. Et ce qui est marrant, c'est que Fofo, il revient à peine sur la lane maintenant. Ce qui est très très tardif quand même, hein, ouais. Par rapport à tout à l'heure où on s'était dit qu'il allait faire un reset directement avec Zeka et TP instant. Pas du tout, mais il a rush les potions de corruption et ça, c'est pas négligeable. Son but, c'est de survivre au burst de Zeka. Faut toujours voir les conditions un peu comme ça. Hein. Zeka est là pour burst et potentiellement prendre un kill ou offrir à son Graves. Si tu y survis, t'as fait ton taf. Ouais, surtout que maintenant côté BLG, on a ce dragon des océans qui va permettre de régénérer un petit peu plus sur la phase de lane, toujours très très agréable. Choix différent du côté des midlaners où on a pris les bottes de sorcier pour Zeka, on est parti sur les sandales de Mercure hein, pour Fofo qui craint quand même les contrôles adverses. C'est vrai qu'il y a la Cinderax, sa dispersion des faibles, le route de Jhin et puis bon l'armure, enfin la résistance magique contre Syndra, Gragas n'est pas un mauvais choix. Et puis t'as le petit stun de Gragas sur son E quand même. Et c'est surtout que en fait on a assez de dégâts autour hein, donc elle va peut-être avoir un stuff un peu plus utilitaire, on verra. En tout cas avec les bots c'est potentiellement une possibilité, mais covering Zaya, une Lilia, un Renekton, ça a l'air globalement pas mal. Attention, l'agression au niveau du bot, Hank qui prend beaucoup de dégâts, le rappel de plume va permettre de contrôler Mark et Hank pourra s'en sortir. Bonne défense de la Dekari Hera là-dessus. Ouais, je pense pas que Mark prendrait autant de dégâts parce que j'ai bien aimé l'idée où tu focus le Nautilus avant qu'il ait le temps de faire proc l'Aftershock et après tu cancel le trade parce qu'il y avait l'Aftershock forcément du Alistar, mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Leon qui fait coucou à Bubu. Oh là, quand tu viens poser une ward et que tu vois le mec qui est là, tu dis ouh. Bien senti, mais c'est un match-up qui est très difficile et c'est un Gragas qui va partir AP hein, quand même. On notera l'alarme de ADS, enfin AP. Je sais pas jusqu'à quel point aussi proche une larme pour tenir la lane. L'alarme de ADS, on la voit partout. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne la terminent pas parce que l'item doit pas être si rentable en termes de gold efficiency pure et dure. Mais on voit pas mal de cas où t'as les mecs, ils ont la arme de DS encore avec tous leurs items et ils finissent l'item extrêmement tard. Attention à Boy qui se retrouve isolé là entre ces deux tours. Bot, il y a Hank qui arrive. Mais ce sera quand même un tiers des points de vie d'Iboy qui s'envoleront là-dessus. Et pour revenir à cette larme de la DS, c'est vrai qu'on la voit beaucoup en starter aussi sur des personnages sur lesquels on s'y attendait pas forcément. Je pense à Miss Fortune par exemple sur la bot lane. Avec et c'est vrai que c'est beaucoup fait parce qu'elle a pas un pool de mana très élevé, Miss Fortune, et des coups en mana assez faibles, mais au final elle arrive assez vite mais du coup la larme de la DS est super utile parce que ça augmente beaucoup et bien son pool de mana. Pas de 12 berceuses. Ah, j'avais un espoir quand même. Mais oui, je te rejoins complètement, mais c'est la fameuse MF Comet qui est un des meilleurs picks hein, de toute façon pour gérer les Samira au niveau de la bot lane. Ouais. Tu le maintiens sous sa tour et puis t'attends que la lane se passe, c'est à peu près ça. Après, le truc, c'est que tu joues MF Comet si et seulement s'il n'y a pas de hard tank en face, sinon t'as besoin de jouer avec le PTA notamment pour pouvoir tomber les grosses cibles, aider tes copains et ton monster. Rappelle que le PTA ne donne pas qu'un bonus de dégâts pour toi, mais aussi pour tes potes. Particulièrement utile quand il y a des champions intombables en face, ou en tout cas très tanky. Rotation sur la top lane pour les Bilibili Gaming. Meteor qui sera vu avec cette pink ward. On va tenter de l'engager avec le fût explosif. Flash out de QB forcé là-dessus. Et le swap lane qui s'est mis en place. Les 5 joueurs BLG sont top side. Donc on a très envie, je pense, de jouer autour de ce héros de la faille. Le stun qui touchera pas ici. Malheureusement pour Zeka, ça se tentait avec Mark à côté. Il y a peut-être un petit trade. On va devoir. Ah, ils savent pas qu'il y a une ward ici, je pense. Ils ne le savent pas. Très bonne ward du coup de la part des rats ici. Il faut contrôler la zone un petit peu, on a le décalage qui se fait de la part de Highboy. Attention à pas niveau 6 hein, pour cette Xayah, ce qui signifie que c'est une Xayah qui ne peut pas rester de façon indépendante trop longtemps puisque malheureusement elle pourra se faire focus assez hard. La position est prise de la part des Billy Gaming ici, Hang. Tu vas devoir flash out instantanément. C'est une info importante ça à récupérer pour les Billy Gaming. Une Xayah qui n'est pas niveau 6, un Nautilus qui n'a pas de flash, Cube qui n'a pas de flash non plus. Est-ce que vraiment t'as assez de dégâts pour le moment du côté des rats? T'as ce Renekton qui est menaçant et dans une certaine mesure la Lilia. Ouais, faut laisser aussi le temps à Highboy de stacker ses plumes, il a pas encore beaucoup d'attack speed, hein. C'est pour ça qu'on dit que Xayah met un peu plus de temps à scale potentiellement que d'autres AD carry, c'est qu'il lui faut assez de statistiques pour réellement être utile, mais après par contre quel bonheur de la jouer en,
en face de Teamfight, un Teamfighter qui pourrait se profiler sur cette river top side langage de Heng directement sur Biubu qui se fait contrôler avec la grenade ASM et on follow directement pour Meteor et Zeke à la shockwave sur deux personnes et très bien trouvé pour les rares atomes. Est-ce qu'on va pouvoir tomber maintenant? Il est sous volonté de faire le premier kill, sera pour Zeke. On repousse complètement les rares atomes dans leur retranchement, 12 verseuses sur 3 champions du côté des BLG. On n'arrivera pas forcément à aller plus loin, on remonte assez haut en point de vie pur Biubu qui tombera sur la rafale de plumes là-dessus. On est un petit peu bloqué dans le pit du Erad là-dessus. Mais ils se débrouillent bien justement quand même les rats. Ils arrivent à contester un petit peu. Est-ce qu'on peut tuer Zeka ici? Il manque la auto-attaque. Flash in Leyan. Flash out, ça ne suffira pas évidemment. Il reste que deux joueurs de part et d'autre. Les rats qui semblaient tellement mal. Les rares atomes qui finalement se font tout de même désintégrer par Meteor. Ils se sont bien battus hein, vu comment commençait le fight. Malheureusement pour eux, est arrivé ici leur fin tout simplement. Aïe aïe aïe. Bon. La shockwave était pas mal. Oh, quel dommage, je vais peut-être gagner des POG. Ah. non, j'ai confiance en cette équipe. Mais ouais, en fait, le timing est plus BLG faveur sur ce timing-là. On a eu du mal à aller sur Zeka et sur Meteor, qui étaient très bien cover par Marc et Biubu. Et derrière, le fight passe en leur faveur. Du coup, on a le héros de la faille maintenant sur Meteor, qui est directement au niveau de la top lane. La deuxième plaque va être récupérée. Par contre, est-ce qu'on joue le héros de la faille tout de suite? Il y a Marc, ouais, on va vouloir jouer le héros de la faille directement pour prendre la T1 et récupérer encore plus de ressources. Marc est là pour zoner, donc on est en confiance. Et ce sera une première tour avec des golds pour Meteor et pour Aiming, ce qui est parfait pour les BLG. Là où, du côté des rares atomes, on a envoyé le Renekton au bot pour essayer de mettre la pression. Et on va plutôt jouer autour de ce dragon infernal. Ouais, histoire de pas trop se faire distancer. Après, les rares atomes ont l'avantage d'avoir une composition qui scale beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire que les Billy Gaming vont devoir jouer sur le mid-game globalement qui est extrêmement fort. Hein. Dégâts de Graze. Le catch de la Syndra, du Jin cumulé, le Alistar qui peut prendre les fights très tôt, Gragas qui peut essayer de setup un peu tout ça. C'est ok, ils peuvent snowball au niveau des golds, c'est de ce dont ils ont besoin, ils vont pas jouer en théorie l'âme des dragons. De toute façon, ça a été un peu oublié à ce niveau-là, mais il va falloir aller récupérer les autres tourelles, il reste les plaques, hein, on s'y apprend. Et je pense que des regroupements juste pour prendre des plaques du côté des Billy Gaming, c'est complètement worse pour eux, parce que ce qui est intéressant du côté des rats, c'est aussi l'XP et du coup la game qui dure. Les Billy Gaming, ils ont juste besoin de stuff assez tôt pour détruire les méchants et avoir leur niveau 11. Les niveaux 11 vont complètement changer la donne au niveau de cette game, parce que c'est à leur avantage. Hein. Le seul pick leur posera un peu problème, en théorie, c'est Cube et son Renekton. Donc il faudra juste turbo focus Cube. Ouais, et puis tu parlais des ultimates, Gardoum, on est sur une faille des vents, donc de l'accélération de compétences pour les ultimates. Ça va être encore plus important du coup d'aller les sécuriser, c'est Drake hein, qui se regroupe là au niveau de la mid-lane, toujours niveau 6 bien sûr au niveau des supports, petite rotation. Ce serait bien d'aller chercher un petit peu de vision un peu plus deep dans la jungle là des Bilibili Gaming, que ce soit sur le top side ou le bot side hein, pour les rares atomes. Parce qu'on a du mal à anticiper, j'ai l'impression, les rotations de Bilibili Gaming et on se fait un peu prendre deux vitesses parfois. Mais ça, c'est parce que j'ai voté Billy. C'est pas pour rien. Gale Force, d'ailleurs, on commence à avoir les premiers items mythiques, ce qui veut dire des items de bagarre. Est-ce que tu veux pas profiter d'avoir tes deux carriadés qui ont leurs items, même si les autres les ont pas? Je pense que ça peut être un choix qui est vachement intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif à fight. Attention, le stun qui va toucher ici tout de même. Meteor qui est là pour burst aussi. Plus de flash du côté de Fofo. Il faut prendre des plaques. Hein. Il y a une minute pour prendre des plaques. Justement, profitez-en les petits potes. Profitez-en. C'est des thunes à foison. Ils se regroupent au niveau de la mid lane. J'aime bien là les placements. Ouais, du coup, c'est Billy Biubu qui n'arrive pas derrière. Le focus qui est fait sur Fofo, la défense qui est en cours. Est-ce qu'on peut tuer? Bien sûr. Fofo va tomber sous un appel de Rido. L'arrivée de Cube, par contre, qui va complètement canceller Biubu sur le côté. Mais regardez, Marc et Zeka qui font le déplacement pour aller protéger leurs copains. Il faut prendre une nouvelle plaque. Peut-être. Allez. Hop. C'est récupéré encore une fois. 320 gold de plus pour les Billy Gaming. C'est très bien fait comme rotation hein, pour les BLG qui mettent énormément de pression sur cette composition rare atome. Et c'est vrai que quand on regarde les compositions, le scaling. Pas quand même en faveur des rares atomes, je trouve. Donc, les Bilibili Gaming, il faut qu'ils accélèrent le plus tôt possible. Ils savent que là, ils sont dans un timing fort en plus. On approche de ce mid-game. On y est même d'ailleurs. Et c'est là où il faut faire le trou de leur côté. Blue Buff récupéré pour Zeka qui va pouvoir reset là-dessus. Il est très bien le mid-laner des Bilibili Gaming qui, je pense, a très très faim contre ces rares atomes. Puisqu'avant, on le rappelle, il était chez les Vici Gaming et que les rares atomes, c'est juste le rebranding des Vici Gaming. Donc, on a envie quand même de se prouver qu'on a fait le bon choix, je pense, côté Zeka. Oui, c'est. Il veut absolument gagner, de toute façon, comme tous les joueurs ici. Mais c'est toujours compliqué parce que tu sais quand t'es dans des équipes, quand t'es dans des équipes comme ça, j'arrive pas à savoir quelle est ta mentalité. Est-ce que tu te dis, on sait qu'on va pas être au top, mais on va essayer de faire le meilleur score possible, ou est-ce que tu te dis, non, ce qu'on vise c'est vraiment le top 1, parce que pour chaque joueur compétitif, en théorie, t'as envie d'être top 1, t'as envie d'aller au Worlds, tout ça.
Mais à quel point t'as une baffe de réalité qui arrive ou pas ? Et c'est une vraie question, hein. c'est pas du tout une critique pour les joueurs ou autre. C'est une vraie question, c'est dans quelle mentalité t'es exactement ? Parce que je sais pas trop comment tu fais quand t'as des équipes de monstres, hein. On sait que ce sont des monstres de toute façon. C'est vrai que toute la préparation mentale est importante de ce côté, et bah, connaître les objectifs des joueurs et savoir comment les fixer, c'est aussi quelque chose d'important de ce côté. Allez, aiming sur la botlane qui va récupérer cette T1 normalement. QB ne devrait pas trop le contester. Il y avait une grosse wave, on a vu. Et sur la mid lane, c'est Highboy qui reprend la prio. Voilà, la T1 bot est sécurisée. QB qui a respecté ce timing. On sait que Aiming a quand même pas mal de dégâts. Il a un bounty d'ailleurs sur la tête. Il a force du vent. Donc beaucoup de dégâts et de la mobilité. Parce que bon, Gale Force plus célérité, c'est un Jhin qui va être très dur à taper. Attention par contre, l'engage de Viu qui se fait counter par Mark Shockwave sur deux personnes là-dessus. Et l'engage juste derrière de ce Nautilus. Les dégâts collatéraux pour prendre le kill sur Fofo qui est un petit peu dans la sauce là-dessus également. Pour Hank qui va tomber sur le déferlement de puissance. Leyan qui normalement court assez vite, quoique ça sera forcé au flash tout de même. Dubu qui a pas été fou sur l'ulti quand même, hein. Au lieu de ramener Fofo bien sous sa tourelle, il a ramené contre le mur et tout. C'est pas assez précis, je trouve. Oh c'est pas mal. Ming ici. Et la dernière balle qui fait peur, une envolée tout simplement du côté de Highboy. Le rappel de Rideau qui ne touchera pas, on se repositionne avec un petit coup de Gale Force. Bien joué de la part de Ming tout de même. Et c'est rigolo parce que Ming, j'arrive pas à trouver que c'est un excellent carrière en Chine. Mais c'est un bon carrière, tu vois, il fait tout le temps son taf. J'ai pas eu de game très décevante de sa part. Et pourtant, je le vois pas parmi les meilleurs carrières. Là où Wenfeng l'année dernière, par contre, du côté de Sunning, même quand les Sunning n'étaient pas incroyables, il y avait un petit truc chez Wenfeng qui les mettait un petit peu au-dessus des autres. Et c'est drôle, je trouve qu'on puisse sentir un petit peu cette différence dans les joueurs. Mais bon, ça va se jouer d'ailleurs aux prochains objectifs. Apparition du Drake et du Hero Lafaille en quasi simultané, à une seconde près, vraiment. Ça se passe pas à grand chose. Qui joue quoi? Ok, Leyan va aller sur le héros de la faille. Du côté des Big Gaming, on va sur le dragon. Ouais, ils ont besoin d'aller mettre un petit peu plus de pression sur les tourelles. Ils n'en ont pas récupéré une seule, hein, pour l'instant, les rares atomes. Pourtant, on a passé les 16 premières minutes de jeu. Donc, avoir ce héros de la faille pourrait leur permettre d'avancer. Par contre, bon, on perd la position, on perd le Drake. C'est potentiellement deux objectifs neutres pour les Bilibili Gaming, puisque là on a récupéré le second dragon. On a récupéré la vision également autour de ce héros de la faille et on est très bien positionné à 5 sur cette mid lane. Donc on peut également aller chercher cette T1. On n'est que deux joueurs, Aratom au mid, Renekton bot. Les deux autres joueurs venaient de reset, donc c'est une T1 qui tombe. Et derrière on a les priorités de lane. On peut complètement aller jouer ce héros de la faille avant de reset. C'est carton plein ce petit move pour BLG. Il continue, c'est bien, moi ça me va. Le problème c'est qu'ils n'ont pas non plus une durée de vie infinie dans cette game, notamment à cause du scaling en face, on rappelle. Orianna, Xayah en late game, ça va être impossible à gérer quasiment. On a en plus de ça une Lilia qui jusqu'au bout peut être très efficace, c'est une question évidemment de playstyle, hein. C'est une question de talent mécanique des joueurs, mais Leyan reste un très très bon jungler. C'est Srenekton qui aura en théorie un peu plus de mal. L'avantage qu'il a, Srenek, c'est qu'il a deux cibles potentiellement à aller choper, Aiming et Zeka, et que les flashs sont pas spécialement au même timing. Ça lui offre un petit peu plus d'options, je trouve. Lui a le sien de disponible. Il va falloir jouer sur les premières tourelles, donc il y a été un top à récupérer là du côté des rats. Leur but actuellement, c'est juste de ne pas trop se faire distancer au niveau des golds. Et pour être honnête, 2000 golds à 18 minutes, ça reste tout à fait acceptable. Oui, c'est ok comme écart. C'est totalement rattrapable même pour les rares atomes. Il faut juste pas trop se faire push sur ce timing mid-game. Et on a vu, hein, le percepteur qui vient d'arriver sur Aiming. Donc c'est le premier joueur à avoir deux items complétés. Donc Aiming, il va falloir le surveiller. C'est également le joueur qui a le plus d'avance sur son vis-à-vis dans cette game. Highboy qui a un petit peu de mal. Logique, c'est Xayah. Donc on n'attend pas forcément trop de prouesses de sa part dès l'early mid-game. Ça va plutôt venir après avec les teamfights, avec le scaling. Et on va récupérer un maximum de ressources là sur la mid-lane pour Highboy. Et on arrive quand même à réussir à contrôler un minimum cette rivière avec de la vision, en tout cas sur ce bot side pour les rares atomes. Ce qui leur permet quand même de connaître un minimum les rotations. Là par exemple, on a compris qu'il n'y avait personne sur la mid lane, ça va potentiellement être une T1. Zoning peut-être avec ce rappel du rideau, Heng qui va pouvoir tanker un petit peu tout ça. Attention, il ne faut pas rester, il ne faut pas overstay du côté des rares atomes. Oh, le regroupement est très bien vu côté Bilibili Gaming avec Marc qui arrive de l'autre côté, très bien évité avec ce double flash, un premier kill pour Aiming, QB qui arrive en téléportation, mais on ne pourra pas réengager ça. Biu, il m'embête avec son ragas. Parce que la game, oui, se passe bien dans l'ensemble pour les Billy Gaming. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu des Gragas qui étaient tellement plus forts récemment que, tu vois, ça me...
Ah, je me dis vraiment que ce n'est pas le plus pertinent ici. Alors, peut-être que c'est pas du tout dans les pics qui jouent énormément Bubu en console accord. On a quand même un échantillon très restreint sur cette saison pour le moment. Et que c'était juste histoire d'avoir un flex pick potentiel. Je comprends l'intérêt dans la draft d'avoir récupéré le Gragas. Je suis juste un petit peu déçu des plays qu'il nous propose. Parce qu'il y a beaucoup plus à faire. Attention à la 12 berceuse ici d'ailleurs. Sur The Chip. Oh, il a été annihilé, vaporisé, atomisé. Ouais, complètement. Raya, il a regretté d'être né, je pense, à ce moment. En tout cas, bon, un kill récupéré pour cette équipe des rares atomes. Et cet été, un mythe qui leur tend les bras, tout simplement. Ces trois sbires pourraient suffire à la récupérer. Mais voilà, il y a Marc qui est en cover avec un petit Graves derrière. Et on va d'ailleurs engager sur ce Renekton. Attention, il a sa rage qui est quasiment full. On a normalement tout ce qu'il faut pour résister. Et cette tourelle qui résiste. Bonne défense des BLG. Ouais, ils arrivent pas à aller assez vite pour moi dans cette game, les Billy Gaming. Hein. Faut pas défendre, faut attaquer. Justement, Cube qui est prêt à partir. High Boy qui tombe sous les coups de Météor. Est-ce qu'on peut aller tuer ce gros Necton? Ça, c'est pas joué à grand chose tout de même. Joli flash de la part de Cube. C'est le Baron Nashor maintenant. Il faut essayer de l'engager. Il faut bête les adversaires dessus. On a Fofo qui n'a plus de mana, qui va devoir reset et qui a une téléportation. Le héros de la faille au niveau de la mid lane. Ils doivent accélérer absolument. Les Yann sur le côté. Est-ce qu'on a Marc qui pourra le toucher? Peut-être. Le flash X-Tech, il sera hors de portée. De toute façon, Marc n'avait pas prévu. C'était un bait, tout simplement. On va essayer de récupérer la tourelle, peut-être. Bonne défense. Mais les Yann, il les tient à 3 tout seul. Il y en a un quatrième qui est là. C'est Aiming, justement. Est-ce qu'on pourra toucher un autre coup de rappel de rideau? Chtouk, ça passe à côté. Les Yann, ouais, qui était serein en face de 3 à 4 joueurs des Bilibili Gaming. Et il faut complètement l'aider, ce jungler qui fait un bon taf hein, quand même dans cette game pas évidente. Il a 4 kills. Et il a pas mal de ressources, il doit d'ailleurs être un peu en avance en termes de ressources par rapport à son vis-à-vis. Et ça conteste bien sûr la wave au mid. On a un dragon qui arrive dans 20 secondes maintenant, potentiellement le dragon de Damoclès pour les Bilibili Gaming. Et on avait dit que ces ultimates allaient être importants du côté des deux équipes de toute manière. Mais là c'est plutôt les Bilibili Gaming qui en profitent. Ils arrivent à bien sécuriser à chaque fois la position, le territoire autour de cette rivière botside. Et on revoit l'engage sur Highboy qui... Et bien flash out, il gale force, mais ça ne suffit pas à s'extirper. C'est vrai qu'un Graves qui joue rush phasique, ça court très très vite. Bah ouais, clairement, rush phasique, gale force, un item en plus, donc de la mobilité encore une fois supplémentaire, hein, c'est 6% je crois d'AMS que tu gagnes. Attention, QBC qui prend extrêmement cher la flosse mortelle, ça touche. Biu, le flux explosif, c'est le premier qui est à peu près acceptable tout de même. Il y a eu un dash raté de météore pour traverser le mur, j'ai rêvé. Ouais. Ok. Ah ouais, happens. Bon après, est-ce que ça aurait suffi pour aller tuer ce Renekton? C'est pas forcément sûr, de toute manière il était emporté pour la floraison. Donc on arrive à s'extirper de là pour QB, le back dans la jungle pour cette Lilia. Ok, c'est bon, Aang qui est en cover de son mid laner. On prend l'information là autour de la rivière du Baron Nashor. Et c'est Highboy qui se régale sur la mid lane. Regardez, il est passé devant Aiming en termes de farm. Bon, il y a toujours un petit peu plus de ressources, bien sûr, pour Aiming avec ses 3 kills et ses 4 assists. Mais bon, on arrive à remonter peu à peu. On a bientôt un deuxième item. Voilà, l'Essence River qui fait son apparition. Donc, on va avoir une Zeke qui va commencer à être utile. Enfin, ils en ont besoin absolument pareil avec cette Orianna qui commence à se taffer doucement, mais sûrement. Ok, on avance. Le truc, c'est qu'ils doivent juste tenir la game et ils la tiennent bien. 1000 gold de retard à peine à 23 minutes. C'est Byzance pour eux actuellement. Ils ont encore leur T2 qui sont disponibles. Ils ont clairement peur de rien. Et là, c'est les Billy Gaming qui commencent à avoir un petit peu les pépettes. Tu vois, ils ont les fesses qui commencent à faire bravo parce qu'ils n'ont pas accéléré dans cette game. Ils n'ont pas réussi à trouver les bonnes opportunités pour prendre les T2. Donc là, ils vont devoir à un moment forcer un Nashor parce que même s'ils attendent le dragon, ok, t'as une âme des dragons, ça te change quoi dans la vie? Un Jin qui court un peu plus vite, un Graves aussi, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'ils auront plus de dégâts. Et peut-être tentative d'engage. S'ils prennent ça, ils peuvent prendre le Nashor. Et qui dit Nashor dit peut-être la game. Ici Highboy qui va être prêt à partir directement. L'envolée de la part de Highboy. Est-ce qu'on pourra aller chercher cette Xayah? Évidemment pas. Ça a été bien défendu justement. C'est Bibou qui va tomber rapidement. Zeka n'était pas là. Quel dommage du côté des Billy Gaming. Quel dommage. Et mes Pog qui vont s'envoler. Ah, ça manquait d'une dispersion d'effet ouais, pour zoner un petit peu tout ça. Et bah, cette fois-ci, on va enfin récupérer cette T1 mid qui bloquait un petit peu. Voilà, ça va faire toutes les T1 récupérées côté eh bien, rare atome. Et on va pouvoir du coup avancer la ligne de vision gentiment mais sûrement de leur côté. Voilà, ça tombe. Il faut reset. Il faut placer également de la vision autour de ce Baron Nashor puisqu'on n'en a pas hein, du côté des rares atomes. Et c'est les Bilibili Gaming qui ont l'initiative dessus. En plus, Leyan et Bot, on pourrait l'engager côté BLG, ce Nashor. Ouais, il faut tenter du forcing, hein, mais est-ce qu'ils ont les dégâts? Le problème, c'est pas de prolonger, c'est qu'ils n'ont pas de dégâts et c'est que Marc actuellement a pas d'ulti, donc s'ils veulent turn, ils sont dans la mélasse. Meteor a déjà perdu trop de points de vie.
Mais ça force quand même une téléportation du côté de Cube, ok. Bon, bah écoute, c'est déjà ça de prix. Ça veut dire que c'est un Renekton qui n'a pas de TP. Il faut se rassurer, se consoler avec ce que tu peux, mais là, l'avantage de Gold est passé du côté des rares atomes. C'est la première fois de la game, et à mon avis, ça ne devrait pas retourner pour les Billy Gaming, qui, pour moi, n'ont vraiment pas réussi à enchaîner les tourelles correctement, parce qu'ils ont du mal à gérer le push des waves et le lane assignment, tout simplement. Décider qui va sur quelle voie, tout simplement. Le lane assignment, comment on appellerait ça en français? La désignation de voie. Ouais. Ok, la désignation de voie. T'as l'impression que tu bosses à la RATP. L'assignement. L'assignement de ligne. Ouais. L'assignement de ligne. Toi, tu vas conduire le RER B. Ok. C'est parti. D'ailleurs, j'ai vérifié. Petite correction, permets-moi, Gardum. C'est 3% par item légendaire, la Gale Force, en move speed, et non 6. Ah, ok, il me semblait que c'était un peu plus. My bad, bien joué. C'est 3, ouais. Bon, ça reste quand même très conséquent, de toute manière. Et les rares atomes qui vont récupérer cette wave mid. La QSS, très bon choix hein, du côté de Aiming, qui pourra se repositionner bien plus simplement, puisque bon, en soi, en termes de contrôle, faut faire attention au retour de plumes, bien sûr, mais ce qui peut le déranger, c'est principalement ce Nautilus ou un Flash-In. Oh. Et Z de Renekton, oh, attention, l'agression. Oh, Fofo, non, qui va tomber là-dessus sur un timing où le bar on a choré est très inquiétant. On arrive à contrôler l'engage de Marc du côté de Heng. Par contre, le rappel du rideau est très dangereux. On va tomber également pour le jungler des rares atomes. Et on enchaîne directement côté rares atomes. La rafale de plume, on va se repositionner pour Highboy sous sa tourelle. Il est cover par sa frontline là-dessus. Est-ce qu'il va avoir assez de DPS pour clear un petit peu tout ça? Un nouveau kill pour Marc directement pendant que Heng, lui, s'est fait complètement avoir. C'est du 3v2 sur cette mid lane. T2 qui va tomber et c'est compliqué là d'engager Snasher, même s'il n'y a plus de jungler en face, il n'y a plus assez de champions de toute manière côté BLG pour aller tomber, donc il va falloir reset et s'occuper plutôt de ce dragon. Ouais, Marc là ici des Billy qui était un petit peu trop déter, petit ref Twitter tout ça, mais je sais pas si beaucoup de gens l'auront, c'est pas très grave. Pour le coup, dragon effectivement à préparer comme tu l'as dit. Après, c'est pas une âme qui va non plus changer énormément de choses, si ce n'est... Il n'y a que le placement du Jin qui pour moi peut être vachement intéressant, parce qu'en face la compo n'est pas non plus extrêmement tanky, ce qui veut dire que Heming du début à la fin de la partie il sera menaçant, il a 3 items, il a une très bonne range ici, on est à 700 du coup sur un shot potentiel avec le Rapid Fire Cannon. On a beaucoup de pink ward, il y a 6 pink ward dans les poches des Bill Gaming, et je parlais des larmes de ADS, tu vois, il y a deux joueurs qui les ont prises, qui ne les ont pas encore fait évoluer, c'est vrai. Parce que bah, ça coûte assez cher, la rentabilité n'est pas assuré. Biu ici, oh, fallait tellement ramener les gars, il y avait un truc à faire je pense. On va essayer de prendre le fight du côté des Billy Gaming, mais ils sont pas sûrs. Tiens, allez jusqu'au bout, regardez la shockwave qui est excellente. Marc va essayer de repousser directement Biu qui retourne dans la mêlée une fois de plus. Ici la force mentale d'abord de Aiming. Marc qui essaie de reculer, Marc qui se sait condamné, normalement il pourra pas faire grand chose, quoique si, le headbutt sur le carapateur Jean-Michel le sauveur. Ouais, complètement, rappel de rideau pour sonner un petit peu. Je suis un peu déçu parce que la shockwave est incroyable, malheureusement Highboy et bah récupérer la priorité mid et le temps de faire le tour, il a pas pu DPS pendant cette shockwave incroyable. Et du coup l'ensuite, oh, Zeka qui trouve le kill sur les Yann, on va directement en profiter pour engager le Drake, une engage sur QB sur le côté qui lui va trouver un kill sur Marc. Ok, ça fait un frontliner de moins pour les Billy Gaming. On a Hang dans le pit du Drake, le Drake sera récupéré quand même par Meteor engage. On va suivre Highboy dans ce fight qui arrive à très bien DPS sur le côté, aiming forcé au flash out là dessus, la QSS qui est utilisée. Très low life pour les Billy Gaming. Highboy qui fait tous les bons mouvements dans ce teamfight, quoique peut-être qu'il pourrait se faire tourner sur appel de plume, un kill sur Biu. Il va pouvoir enchaîner sur Zeka qui se repositionnera avec son flash. Highboy va avoir un taf monstrueux à faire dans les teamfights. Par contre, attention, c'est peut-être pas fini. Non, on essaie toujours force mortelle de la part de Aiming, mais Zeka qui a loupé son stun à la fin dans la rivière. Ah, c'est un petit peu dommage, vraiment, on a récupéré l'ascendant au gold, 500 gold à peine, certes. Meteor qui tente le chase ici sur Q, mais il veut pas trop y aller, il y a une téléportation d'ailleurs, c'est Fofo qui était en train de rejoindre ses petits copains. TP aussi d'ailleurs, de la part de Zeka, les deux millénaires ont une TP qui a exactement le même CD pour le moment. Highboy qui en profite, on va subtiliser quelques corbins. Et c'est le baron, seul objectif actuel de la game. L'écart de gold est nullissime pour le moment, c'est-à-dire que ça se joue à qui va se battre le mieux. Et ça, normalement, ce sont les flashs qui comptent. Qu'est-ce qu'on a? Bah, à peine Biu du côté des Billy Gaming. Et en face, c'est Walou. Ouais, plus de summoner. Il n'y a qu'une Ignite qui traîne. Hein. Il y a une téléportation quand même sur QB. Mais c'est l'avantage du flash Hextech du côté de Marc. C'est que lui pourra toujours surprendre en traversant Mir. Regardez Zeka là, qui trouve le bon catch. La bonne sphère noire sur le jungler, Leyan. Et heureusement que QB arrive à
à compenser sur Marc, hein, sinon on allait être en infériorité numérique pour le teamfight. Et les contrôles de Marc auraient clairement fait la différence. Meteor solide, hein, sur son smite qui permet de récupérer cette âme qui va permettre ensuite d'avoir de la mobilité supplémentaire. Regardez-le Zeka, imagine il loupe pas le sun. Voilà. Il a visé à gauche et à droite de Highboy. Et comme après il s'avance quand même au lieu de reculer, bah il le paye extrêmement cher. Et c'est plein de petits soucis mécaniques du côté des Bill Gaming qui les empêchent d'être parmi les grosses équipes de la fête de l'invocateur. C'est que bah, même quand tu pourrais faire des trucs bien, comme c'est pas exécuté parfaitement, au final, ça ne te donne pas d'avantage, voire ça te fait du mal. Ici, 3 items Xayah. Ça commence à être un petit peu inarrêtable en face. On a 3 items aussi du côté de la Orianna. Quelles sont les options des Bill Gaming? Bah, j'ai envie de dire presque une engage biu-biu, mais il faudrait qu'il ramène qui? Fofo ou Leyan? Ouais. Ce qui est difficile, hein, parce que Leyan a le flash. Fofo, lui, souvent, il est très loin en backlane. Highboy, c'est censé être impossible à cause de l'ultimate. Bon, bah, Biu-Biu, son heure de gloire est passée. Malheureusement, il n'a réussi aucun mouvement très glorieux. On a un flash sur Leyan et on sait qu'un Q-spell flashé, ça pourrait faire la diff après une 12 berceuse, en tout cas pour setup la 12 berceuse, hein, côté de Leyan. Attention d'ailleurs, le flash in, il loupera son Q-spell. On va quand même mettre la 12 berceuse sur Meteor qui se fait contrôler. La grenade ASM également pour contrôler ce Graves. Le teamfight qui est engagé bien sur un bon ultime tout de même de Biu-Biu. C'est QB qui prendra la sauce là-dessus. Premier qu'il récupère par Aiming. On se fait zoner par le rappel de Rideau Hanging qui va quand même pouvoir s'en tirer. Bon tanking avec le shield de Fofo. Mais on pourra pas aller plus loin. À la force mortelle à la fin qui touche pas celle-ci. C'est un peu dommage, mais maintenant on est 5v4, il faut tenter quelque chose, il faut faire un forcing les Billy Gaming. Il faut absolument forcer, Leyan n'a plus de flash, c'est-à-dire que si Leyan veut venir contester, vous allez pouvoir l'engage peut-être, il suffirait de cacher Marc quelque part. Et ils osent pas, juste ils gardent la vision, ils se disent que les adversaires vont peut-être check au bout d'un moment. Le truc c'est que t'as une Orianna pour check en plus, hein, vraiment avec la boule, pour avancer tranquillement, ne pas faire de gros face check. Donc en attendant, y a pas d'objectif qui bouge, et ils se retrouvent vraiment walou au niveau de la mid lane. Alors que là, ils commencent le nage, les adversaires vont se dire bon, on les voit pas, on va peut-être devoir s'avancer, et s'ils s'avancent trop tardivement, ils peuvent se prendre un gros counter. Biu-Biu avait son flash de disponible encore. Pas d'ultimate, certes, mais un flash body slam avec un Alistar derrière. T'as une cible que tu peux détruire. Ils avaient plus Cube en face, qui est la seule cible réellement tanky. Et ils ont cette peur de faire une erreur, les Bill Gaming, qui fait qu'ils ne font rien. Sauf qu'à avoir peur de gagner, tu perds. Bah ouais, c'est le problème, surtout contre une composition qui potentiellement scale mieux. Heureusement, on a réussi à récupérer 4 dragons élémentaires pour les BLG. Il y a Senachar qui est toujours là, qu'il faut continuer à surveiller. Et on va avoir dans 2 minutes un autre élément très important dans cette faille de l'invocateur, c'est le dragon ancestral. Dragon. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vision autour, mais ça risque de changer très très rapidement. C'est mon pote de l'EHPAD, Papy Dragon. Probablement, ouais. Avec Papy Doom. T'inquiète, quand on nous change les couches ensemble, on se met les barres. J'en doute pas. Allez, on a vu le bac de Biu-Biu, téléportation disponible. Voilà tous les summoners qui commencent à revenir. La téléportation de Zeka est calée quasiment sur celle de Fofo. Celle de Fofo arrivera un petit peu plus tôt. Et le Séraphin qui a été terminé tout de même par Zeka. Enfin, oui, et là pour le coup, on voit, hein, du côté des buildings, on va aller chercher l'information sur le bot side de la map. Il y a le carapateur, donc ça, c'est pas l'info importante. C'est surtout que comme ils sont regroupés sur le bot, ils vont pouvoir ensuite aller prendre l'information dans la jungle bot side adverse pour contrôler cela. Mais il va falloir absolument garder au moins une ward au niveau du Baron Nashor, un petit peu de vision dans cette zone, qui est déjà faite grâce au pixel boost top side de contrôler, pour être sûr que les adversaires, au moment où tu fasses l'ancestral, ne prennent pas le Nashor. Parce que en soi, les deux ont un timing prédéfini, hein, bien sûr. Donc tu veux pas que les adversaires aient un âge qui va t'empêcher toi de push, parce que t'as un clear qui est quand même pas incroyable avec une Orianna en plus en face qui serait à la défense. Et là leur objectif des Billy Gaming, c'est de prendre l'ancestral, puis prendre un fight, ensuite prendre le Nash et essayer de terminer la game là-dessus. Ouais. Bon là il y a une prio mid à récupérer, il y aura une autre wave qui arrivera mid avant l'arrivée de ce dragon ancestral, ou qui arrivera pile à l'arrivée du dragon ancestral. Donc ces deux waves mid qui arrivent sont très très importantes. Et c'est pour ça que ça se regroupe, hein, sur cette mid lane. Pour les deux équipes, on veut contrôler cette ligne qui est entre les deux objectifs majeurs. Attention, petit route qui passe sur Highboy. On n'arrivera pas à aller plus loin, un peu trop deep. Oh, vite Aiming, hein. Il court très très vite Aiming. Ouais. Biu-Biu qui prend d'énormes dégâts ici. Cube qui va être ramené directement. Est-ce qu'on peut tuer ce Renekton assez vite? Peut-être pas. Justement, il y a encore le Dominus du côté de Cube. Biu-Biu qui n'est pas full life non plus. Les deux vont faire un back, les deux vont faire une téléportation. C'est bien, c'est que top lane et mid lane, ça se ressemble vachement dans cette game. C'est vraiment du côté des deux équipes. Beaucoup de similitudes.
Téléportation back de la part de Cube et l'Ancestral qui est engagé. Ouais, c'est engagé, téléportation. Effectivement, va falloir reprendre un peu de vision. Bubu qui va TP sur le côté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur ce Gragas qui va être un peu tout seul? Il est engagé effectivement par Heng. On met le passif un peu trop compliqué de suivre là-dessus. Et Heng qui prend beaucoup trop de dégâts. Il va tanker quand même avec le shield de l'Ariana, mais ça ne suffira clairement pas. On est en supériorité numérique maintenant pour les Billy Billy Gaming. Et Cube qui se fait prendre en chasse par Meteor là-dessus. Il se fait bien zoner les vitras quand même. C'est la dispersion des faibles et le dragon ancestral qui est engagé, garde. À chaque fois il touche une boule à gauche, une boule à droite, c'est pas une fourchette ton truc, faut toucher dessus. Ah, ça m'embête ça. Fofo qui ne sera pas touché ici non plus, augmenté de la part de Heming, ça ne passe pas. Cube qui est prêt à partir, Marc qui essaie de flank, Marc qui est tout seul, cependant il y a le dragon qui est quasiment terminé, il s'est récupéré de la part de Meteor. Il faut leur tousser dessus maintenant, ça y est, premier kill de prix sur les Yann, il y a un baron Nashor à faire. Il faut fuir côté Raratome. La contestation du baron Nashor semble impossible avec le buff de l'ancestral et on va le laisser. C'est du 5 contre 3, Gragas peut remonter assez haut en point de vie via son passif bien sûr, donc il n'y a pas de souci pour aller le faire, ce baron Nashor, et ça va directement être engagé. Timing back pour la Orianna et le Renekton. Et ça fera un baron Nashor sur 5 joueurs. Voilà ce qu'attendaient les Billy Billy Gaming, peut-être pour se mettre en confiance et pour avancer un peu plus sur la map. Mais ça fait beaucoup, un ancestral et un Nashor, pour se dire c'est bon les gars, on peut y aller. Et on peut clairement pas avoir plus que ça, ils ont même l'âme. Ils ont 2 minutes pour terminer la game à peu près. C'est un peu comme ça moi que je vois leur draft actuel et comment ça peut se passer. 2 minutes pour terminer, ils ont un grève, parce qu'il y a comme 100% de crit. Ah très bien. Ah ouais, ouais, ça fait mal. Très bonne chevrotine. Jean pareil. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont 2 carries AD dans une certaine mesure, qui ont 100% crit. Ils ont l'ancestral, ils ont le baron. Donc là, c'est tu te regroupes. Tu fais même pas de split pouce, hein. Tu t'embêtes pas, split pouce, tout va bien. De pousser séparé. C'est tu regroupes et tu y vas comme un sale, t'as Marc qui fait un dive. De toute façon, même si Marc meurt, tu vas les tuer, t'as beaucoup trop de dégâts. Il faut en profiter, il faut en abuser. Il y a même 10 stacks de Magi d'ailleurs sur Zeka qui doit aller à une vitesse incroyable. Ouais. On voit ça, ça rapide quand même. Il faut juste essayer d'y aller. Et je pense que Marc il devrait même pas se prendre la tête, hein. Il engage n'importe qui. Même Cube il crève en 2 secondes. Ouais, tu l'engages, mais ta volonté de faire et t'as rien à craindre globalement, je pense, du côté de ce Alistar. Très tanky en plus avec la songe de Shurilia. On a énormément de mobilité à l'engage. Ah. Et sa zone, on veut quand même protéger cet inhibiteur côté Raratome, mais ils vont pas pouvoir, voilà, c'est pris, on a vu le 1100 points de dégâts. Il faut aller tout droit, là, tant pis, hein. C'est DT4, mais ils ont pas préparé les waves, le temps qu'ils y aillent, ils vont y perdre. Shurilia. Ah, il a hésité. Mais pourquoi il a pas flash avant Shurilia? Parce que là, tu annonces, je vais peut-être essayer de vous engager. Évidemment que les adversaires, ils vont reculer. Enfin, mais pour la surprise, c'est un flash, le flash, ça surprend. Même quand tu prends en photo, t'as le flash, paf, tes yeux, ils sont surpris, ils se ferment. Ben oui. Et encore, normalement, les yeux rouges, d'ailleurs, faut le savoir, c'est juste que le flash éclaire le fond de ta rétine qui n'a pas le temps de se fermer à cause de la vitesse du flash. Ton iris se ferme pas, du coup, tu éclaires plein de vaisseaux sanguins et c'est ça qui fait les yeux rouges en photo. Voilà, pour une petite anecdote. Donc, en fait, ce que je dis n'est même pas vrai parce que ton œil réagit pas assez vite par rapport à la vitesse du flash. C'est vrai. Terrible. Je me cancel tout simplement mon propre truc. Allez, les Billy Billy Gaming, 1 minute avec ce baron Nashor, le ancestral à fade, ça leur a simplement permis d'aller récupérer tout de même cet inhibiteur mid, hein, avec la pression que ça met, et le Nashor. Et là, T2 top qui tombe. On veut jouer autour de cette T3 du côté des Billy Billy Gaming. Et regardez Biu Biu qui est en position de flanking. Leyan qui va revenir au niveau de la mid lane. Il faut contenir cette wave avec les méga sbires qui sont buffés au baron Nashor. Donc attention à cette pression. Et Biu Biu par contre qui prend beaucoup de dégâts là. 12 berceuses qui va directement être utilisée. On pourrait peut-être aller prendre ce kill. Leyan qui met beaucoup de dégâts sur Biu Biu. On va mettre la grenade ASM, la T3 top qui elle par contre est tombée. On continue de suivre sur ce Gragas qui est tombé. Par contre, l'engage de Marc peut-être un petit peu tard celle-ci. On a QB qui temporise avec une bonne stopwatch là-dessus, l'inhibiteur qui va tomber encore un critique à 1123 dessus, et Heming qui utilise son rappel de rideau. Est-ce qu'on peut faire quelque chose réellement? Il n'y a pas de miracle ici. Ça prend de l'inhib, c'est bien, c'est un début. Maintenant il faut réussir à avancer un peu plus loin, il faut prendre des T4. L'écart de gold ne veut plus dire grand chose, le scaling de la composition des rares atomes est présent et il va falloir attendre les prochains objectifs. 2 minutes 20, le dragon ancestral. Les Billy Gaming peuvent se débrouiller correctement dessus, hein, en théorie. Parce qu'il y a un item de plus au niveau de aiming par rapport à son opposant direct. Pour la mid lane, c'est sensiblement équivalent. Ah, quoique, non. Il y a un item, mais c'est un Medjay. Est-ce qu'on le compte alors qu'il a que 10 stacks? Disons que oui. Mais cette game est beaucoup plus longue que prévu parce que les Billy Gaming n'ont pas su être assez bons mécaniquement pour gérer ça. Heng, plus de flash, très bien. Bah écoute, ouais. C'est un Nautilus en moins pour le prochain fight. C'était important, je pense, de pas mourir sur ce timing.
puisque bah, les timings de mort commencent à être assez loin à l'approche de la 40e minute. Et je me demande, est-ce qu'on veut réellement jouer ce Ancestral Drake du côté des Billy Billy Gaming, ou est-ce que tu veux pas plutôt te servir bah, de la pression des deux inhibiteurs mid et top pour aller récupérer les ressources bot qui restent encore, deux tourelles, un inhibiteur à aller chercher, et ce troisième inhibiteur pourrait permettre de mettre la pression bot pour l'arrivée du Baron Nashor. Ensuite tu boostes tes méga sbires. Est-ce que ça manque pas de panache? Ça manque de panache, parce que même si t'as des méga sbires boostés, le problème c'est que t'arrives vraiment en fin de game avec une Orianna et une Xayah, donc le wave clear de ces méga sbires, je sais pas s'il posera réellement beaucoup de problèmes. Le seul avantage que t'as, c'est qu'il n'y a pas de flash sur Q et pas de flash sur Aang. Du coup, normalement, tes carries sont plutôt safe. C'est vrai. Et que de toute façon, pousser bot pour après aller faire l'ancestral, pas mieux, parce qu'eux, ils veulent jouer la bagarre surtout. Ils veulent jouer la bagarre parce que leur push ne fera pas beaucoup de miracles, comme on disait, à cause du clear adverse. Mais pousser bot parce qu'après t'as le dragon, ça oui. Ça, moi, je valide complètement cette idée. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à récupérer Emitter? Ça me semble compliqué dans le temps à partie. On va y aller sans les sbires sur cette tourelle. Il y a le Demolish. Cette tourelle qui mid-life, bon, Gragas qui tank sans problème. Et on va se méfier quand même. On va attendre les sbires. On a pris quelques coups de tourelle, mais bon, on va remonter en point de vie sans problème. 869 de crit sur une tourelle. C'est sympa, Jin en late tout de même avec ses dégâts colossaux, bien sûr. Tout ensuite est une question de positionnement. Il n'y a plus que cette T3 bot et Météor qui traîne un petit peu là dans la jungle. On essaye de potentiellement trouver une opportunité. Hang qui va tanker la wave et bien sur la mid lane. C'est hésitant. Pour moi, les deux principaux problèmes du côté des Billy Gaming, non, trois. Zeka qui ne touche pas la plupart de ses stuns, Mark qui n'ose pas faire de gros engage avec son équipe, Biu Biu qui mécaniquement n'a pas été assez bon des fois pour permettre un snowball. Parfois d'ailleurs, on ne dit pas des fois. Excusez-moi. Et forcément, tu te retrouves avec une équipe qui aurait pu dans la game à plein de moments être plus forte, mais bon, bah, le niveau individuel de leurs joueurs le permettait pas. Et je trouve ça très très dommage à ce niveau-là. Attention ici, le stun, justement, le route, ça touche du côté de Heming. On va pouvoir tuer Aang assez rapidement, normalement. Ça y est, ça tombe. C'est un nouveau kill pris par ce Jin. Biu Biu qui va pouvoir s'échapper. On va aller vers le dragon. On peut le sécuriser assez facilement. Ça y est, il va faire tousser maintenant sur le dragon. Cube ! Mais il est tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fait, Cube ? Mais il est fou. Bah, il est complètement fou. Il le stérac qui proc, mais il prend des critiques à 770. Donc forcément, il tombe assez rapidement. On a le dragon ancestral sécurisé. On est en 5v3. Et on va la jouer différemment peut-être du précédent Elder. On ne va pas aller sur ce Baron Nashor. On va plutôt aller finir la partie avec les sbires qui sécurise cette T4. L'inhibiteur mid qui va être récupéré. La dispersion des faibles sur les deux carries. C'est très très bien joué du côté de Zeka. Et ce sera directement Leian qui va tomber. Il ne reste plus que Fofo et Highboy. L'engage directement. Oh les dégâts! Oh les dégâts! On va même aller dive Highboy sous sa fontaine. Oh le rappel de plume. On prendra peut-être un kill tout de même là-dessus. La deuxième T4 qui va tomber. On va ressusciter pour Highboy. Mais ça va être la game en faveur des Billy Billy Gaming, mais non sans mal, Gardoum. Ah, les POG, oui, 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 donnez-moi les POG. Ah, quel plaisir. Mais effectivement, c'était laborieux, cette game. Elle aurait déjà dû être finie depuis pas 20 minutes, mais 15 minutes au minimum. Ouais. Là, les joueurs, et là, on en arrive vraiment au problème purement individuel. Les joueurs, mécaniquement, ne sont pas assez bons du côté des Billy Gaming. C'est pas un problème de decision making. C'est, on voit qu'ils avaient les idées globales de où est-ce qu'on va à quel moment, mais ils ont juste des joueurs qui malheureusement, ont gardé leur mouf parce qu'il fait un peu froid. Et c'est pas facile d'appuyer sur un clavier avec des moufles. C'est sûr, c'est moins évident. Je te conseille aussi les gants de boxe pour essayer. Ça doit être pas être simple non plus. Référence au Bagger Club, bien sûr, vous l'aurez. Mais ouais, je suis assez, moi, assez déçu des Raratom, pour être honnête. C'est une équipe que j'ai vue très proactive contre les Suning, vraiment à l'agression, à la rotation. Ils étaient tout le temps devant. Et là, ils sont quand même fait prendre de vitesse par des Billy Billy Gaming, tu vois. Donc, bon, l'un dans l'autre, bah, les Billy Billy Gaming s'imposent. Donc, c'est qu'ils ont été meilleurs de toute manière sur cette game. Mais je suis d'accord, il y avait normalement des choses qui permettaient d'accélérer la game. Vraiment, des deux côtés, c'était pas incroyable. Il y avait une composition scaling du côté des Raratom qui, malheureusement, à cause des catchs de Aang, de Cube et tout, enfin, j'ai vraiment pas vu du beau League of Legends, qu'on soit d'accord, hein. C'est-à-dire que là, j'ai vu du bas niveau d'une région mineure. Voilà. On se croirait en top LCS, quoi. C'était une balle perdue parce qu'on peut pas les cast. Oui, voilà. Ah, j'ai trop envie de casser les LCS. Mais oui, c'est une super ligue. C'est fou. C'est incroyable à regarder. C'est super. À chaque fois, tu déprimes, mais tu peux déprimer de façon rigolote, quoi. Ça marche bien. Je suis en train de chercher un MVP Heming, qui est le seul qui a pas été nul. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, hein, vraiment. Zeka a fait quand même des bonnes choses avec sa Syndra. Non, il a été naze. Avec le nombre de stuns loupés, j'ai trouvé. Ah, il en a, mais par contre, il les a mis au bon moment.
Oh, super. Enfin, il y en a plein qui, s'il avait mis la gamme, elle se finissait avant aussi. Hein. Je pense que ce sera Aiming aussi. Je pense que ça se verra de toute manière au niveau du grave des dégâts. Mmh. Mais Zeka a pas été non plus un poids mort, tu vois. Genre, il a fait pas des bonnes choses. Il a mis 34 dégâts, hein, quasiment autant que son AD carry. Mais ouais, je pense que ce sera quand même globalement pour Aiming, qui a mis énormément de dégâts, qui a été surtout très dur à attraper pour cette équipe d'Erato. Mais derrière, tu peux pas attraper le carry principal des Bilibili Gaming, donc c'est beaucoup plus facile à jouer ensuite de leur côté. Heureusement tout de même qu'il y a un bon carry allé du côté des Bilibili Gaming. C'est un petit peu lui pour moi qui les a sauvés vraiment, parce que Bubu a pas été incroyable, tout ça. Marc a fait un taf correct. Il a pas osé faire plus que son taf, et c'est peut-être ça le truc qui m'embête un petit peu. Pour le reste, eh bien, on va dire que c'est du bas niveau LPL et que j'en attends beaucoup plus de la prochaine game. Mais ça, on le verra après une courte pause. À tout de suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes de retour pour la deuxième game de ce BO en compagnie de l'incroyable, de l'inénarrable, de l'exceptionnel Croc. Est-ce que c'est pas l'homme le plus photogénique du monde? Est-ce qu'il a toujours une tête incroyable en photo à la caméra? C'est parce que je me suis bien réveillé, parce que je suis moi aussi dans ta Yes Live, garde-moi. Ah, c'est pas tellement bien la Yes Live quand même. Ah, là où je vois Noah le matin, ça a l'air compliqué. Matin après matin, je vois se décomposer. J'avoue, ce matin, j'étais en mode, bah, comme tous les matins, il faut juste avoir le sourire, prendre soin un bon petit déj, et c'est parti. Mais c'est un peu ça. Alors moi, le petit déj, mais c'est l'idée. Mais et pourquoi sans le petit déj, c'est le déjeuner le repas le plus important de la journée? Mais non, t'inquiète, un peu de calories en moins et paf, on se refait un fig d'enfer. Bref, ceci est un détail. Ne faites pas comme Gardoum, je refuse que vous fassiez comme Gardoum. Il n'y a pas de souci, ça se gère très bien. Mais là n'est pas la question en l'occurrence. Première game remportée par les Bilibili Gaming, ça m'a permis de gagner quelques POG, pas beaucoup, mais bon. C'était une game un peu décevante, je trouve. Parce que du côté des rares atomes, on avait une compo à scaling juste sur Renekton, ce qui est un peu moins, mais bref, ils avaient la Xayah, l'Orianna. Ils étaient à peu près tranquilles, même au niveau de la 12 verseuse dans la jungle, potentiellement avec la Lilia. Le truc, c'est qu'ils ont pas su être efficace, pas faire de défense correcte, parce qu'à chaque fois t'as un des joueurs qui se faisait catch, vraiment il y avait un problème de communication dans l'équipe. Et en face du côté des Bilibili Gaming, ils auraient pu aller beaucoup plus vite dans la game, mais tu te retrouves avec un Zeka qui s'est pas touché de stun, tu te retrouves avec un Mark qui a un Alistar qui ose pas forcer quelques moves, faire quelques dives, t'as Biu qui a fait que des ultis un peu dégueulasses. Donc pour moi MVP Aiming, j'espère, c'est ouais, le seul et qui pourtant, m'a sur le mec s'appelle Aiming et il rate 3 balles sur 4, donc honnêtement il y a des trucs à travailler du côté de Bilibili. Et pourtant, mais en même temps, si c'est un peu lent, c'est peut-être parce qu'il y a deux Coréens. Météor. Oh, c'est Météor. Oh, ça me va aussi. Météor, il n'y a pas de souci. Il a fait une bonne game de grève. Ça, c'est un joueur chinois au moins. C'est un joueur chinois, c'est vrai. Mais Météor et Ming ont été les deux joueurs, les deux carry de cette game. Ça me va, Météor, c'est vraiment le joueur qui, je trouve, survole un petit peu du côté des Bilibili Gaming. Enfin, lui et Ming en général. Donc, ok, c'est bien. Maintenant, il faudra jouer un petit peu les drafts parce que... Bon, la première game, je voulais gagner des POG, parce que j'en ai perdu plein. C'est vrai, j'en ai perdu genre 160 000 en deux jours la dernière fois. Du coup, là, me refaire, c'est très très long. Let's go, envoyez l'époque, dites-nous ce que vous avez choisi pour la deuxième game qui va pas tarder à commencer. Genre, premier fail de Biu, l'ulti qui met pas au bon endroit sur Fofo. C'est là où je me dis, nous qui suivons cette scène depuis quelques temps, que c'est ce genre d'équipe, que ce soit Reretom ou Bilibili, qui dans des matchs avec des opposants de type moyen, ça fait un peu brouillon. Mais par contre, ils se font éviscérer par le top du classement. Mais tu vois, un Team WE, un EDG, voire un RNG, je veux dire, ils n'en font qu'une bouchée. Évidemment, fallait parler de RNG. Je comprends, c'est complètement mérité. Mais oui, moi, je me posais vraiment la question, en fait, j'en parlais à Aurélie tout à l'heure, je sais pas ce que t'en penses. Quand t'es une équipe comme ça, parce que tout joueur est là pour gagner, veut aller au World, veut machin, donner à fond. Tout le monde veut devenir One Fang. Mais objectivement parlant, tu sais bien que t'es pas au niveau des autres équipes, donc comment tu le vis en fait? Est-ce que tu dis je sais qu'on va pas être au top, du coup on essaie d'être au milieu? Enfin, mentalement, comment tu gères? Parce que t'es forcément compétiteur quand t'es un joueur comme ça. Alors déjà. Et pourtant, tu sais que t'es pas un monstre. Je veux dire, The Shy, peu importe ses fails au niveau de la top lane, tu t'appelles Biu, tu sais que t'es pas au niveau de The Shy. Donc encore moins au niveau de Nuguri par exemple. Je pense que c'est parce qu'on est géographiquement un peu éloigné de la ligue et que du coup on n'a pas forcément les inside, même si on essaie de vous en proposer un max qu'on peut retrouver sur le Twitter chinois Weibo, du coup on a parfois un peu moins cette compréhension que les équipes du milieu de classement, elles font quand même leur max pour passer des paliers, et du coup on peut être un peu moins impressionné par le développement d'un joueur ou d'une équipe en tant que telle. Moi on voit surtout parfois des milliardaires qui mettent les gros chèques et puis l'année d'après qui disent cette année j'ai pas trop envie d'y mettre au panier, d'aller chercher Coma une année et puis ensuite l'année d'après se dire finalement je vais juste prendre Zeka, ce qui était déjà un assez gros budget il paraît. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des équipes qui en fait n'ont pas cette régularité de construction en mode on a un manager qui est là pour plusieurs années, un coaching staff qui reste, etc., pour faire progresser les joueurs. Et surtout au portillon, il y a énormément de jeunes joueurs qui s'amassent pour essayer de prendre la place du aiming, du météor local, du
biou, etc. Ce qui donne parfois une moins bonne visibilité sur un joueur et sa progression, parce qu'en fait, bah, biou biou va être remplacé par piou piou, prochain joueur, tu vois. Et le poussin biou biou. Ouais, il est en poussin. Je vois bien le truc, effectivement. Et on a vu d'ailleurs que les joueurs qui viennent des équipes académiques, soit ZLS et tout, qui étaient chez IG Young, tout ça, sont des joueurs en général très forts, Sean, pareil, des Shanks, trucs enfin. T'en as beaucoup, Shanks, Sean, ZS. T'as beaucoup de joueurs comme ça qui viennent des équipes académiques qui sont très forts. C'est vrai que le côté scouting du côté de la APL est très important. Vous savez, il y a la LDL juste en dessous et que de toute façon, bah, il y a tellement de joueurs en Chine que tu as 10 Bjergsen, 10 Caps, etc. Maintenant, il faut réussir à les trouver, ce qui est peut-être la partie la plus difficile, les former effectivement en team play, etc., etc. Donc c'est tout un écosystème qui doit être créé, qui doit peut-être être un petit peu plus solidifié, mais effectivement, je te rejoins, il y a beaucoup moins cette idée de construire sur le long terme. T'as après, tu vois, t'as des équipes qui surperforment sur certains événements. Je pense encore effectivement à Sunning, et on découvre un mec comme Bean. Bean, il fait sa carrière sur des Worlds, hein, très clairement, aujourd'hui. Oui. Et il est carrément bankable à la fin de l'année. Mais il aurait été dans une autre équipe en summer. Peut-être qu'on aurait, changé Bean pour Biu Biu, tu vois. C'est terrible de me dire ça, mais c'est vrai en plus. Hein. Terriblement vrai. Alors, votre pseudo qui nous dit si devenir One Fang, c'est juste prendre son niveau mécanique, pourquoi pas? Si ceci prendre son absence de respect envers les autres, très peu pour moi. Ah, ça, c'est parce que c'est la partie, la face obscure de One Fang. C'est Dark Fang. On n'en a pas forcément. Alors, parlons un petit peu des bans, par contre, ça fait beaucoup de carriadés qui sont retirés. Croc ici, Samira, Aphelios, Tristana. On a laissé le Jin qui a été enlevé par les rares atomes. Ce qui veut dire que t'as MF potentiellement. Est-ce qu'on veut pas forcer la MF du coup de High Boy? Je me pose la question, hein, parce que je vois pas grand chose d'autre qui reste. Tu peux toujours jouer Ashe. Il faut savoir que Ashe reste un pick ok. Dans certaines situations, Xayah, qui est pas mal. Xayah aussi, c'est vrai. Et à mon avis, ils veulent forcer. T'as MF Xayah potentiellement qui sont les deux picks actuels, on va dire méta. Et c'est prévu, je veux dire. Du côté de Billy Gimmick, s'ils bannent autant de carry AD, c'est qu'ils veulent absolument voir ça. Et un des champions qui a pas mal disparu et qui était pourtant une des effigies de League of Legends en Chine, c'est Ezreal. Ouais, je suis d'accord. Bah, parce que t'as pas de prio de lane, t'as rien. Non. En fait, sur ta phase de lane, tu existes. Pourtant, tu peux maintenant construire une hydre vorace dessus, tu vois. Ouais. Mais non. C'est tellement tardif. C'est probable, c'est que tu fais d'abord l'arme de ADS que tu stack, plus Divine Thunderer, plus la Muramana, plus ton hydre vorace après, c'est long. La Zoé pique important déjà Chamide, parce qu'on veut pas le laisser à Zeka. Et Fofo maîtrise ce champion à la perfection. En face, côté Bilibili, on va jouer le Flex Galio peut-être et rajouter soit la Nidalee, soit un tank. Ça peut être également le choix de la Lilia pour Météor. Ou la Camille de Biu Biu. Ah oui, on veut lock le bon combo Camille Galio, la classique. Ouf. Avec en plus la flexibilité de ce Galio, voire même est-ce qu'on pourrait dans certains cas jouer la Camille dans la jungle juste pour ça se fait plus ça se fait plus du à tout part, hein. À part j'y réfléchissais quand tu t'appelles Gardoum, mais sinon ça se fait pas et je ne suis pas en LPL ou alors mid juste pour alors, voir si sa flexibilité moi, c'est un truc que j'aimerais bien parce que dans certains match-up je pense que c'est mais tout pas à fait acceptable à voire très bon. Bah, je me pose la question, parce qu'en soi... Tu la reach avec son E. Bah ouais, t'as le E, t'as l'ultimate pour éviter potentiellement une bulle ou un Astropong. En soi, c'est ok, t'as un shield physique souvent. Là, Xayah qui était prévu, bien sûr, Croc, on en avait parlé. Mais ce qui me pose problème, c'est que là, t'avais un Lucian mid qui était prenable aussi. Alors, t'aurais pas eu ton combo, du coup, Camille Galio, mais Lucian mid face à Zoé, miam. Bah en fait, Kaisa, Camille Galio... Xayah est un bon contre à tout ça, avec le fait qu'elle se soulève, également qu'elle puisse bloquer les BLG qui se rueraient sur elle grâce à son E. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Maintenant, le problème de Xayah, je trouve, mid-game, c'est que t'es un peu obligé de faire l'exploit, quoi. De prendre finalement ton choix du 1v1 ou du 2v1, en tout cas... d'aller un peu plus offensif que certains champions qui, comme Jin par exemple, peuvent rester derrière en continu jusqu'à mettre la dernière balle. Complètement, t'as un côté un petit peu plus playmaker risqué, quoi. C'est tu t'avances, tu vas mettre quelques plumes, tu mets un ulti, tu flash Gale Force au côté pour ramener les plumes sur d'autres gens. Ça peut être très spectacle comme pick, comme ça peut être très fail. Et tout à l'heure, Highboy malheureusement n'a pas réussi non plus à faire une perf colossale. Pas d'Orianna, pas de Syndra, ok, donc on sait vraiment pas ce qu'il va y avoir au niveau de la midlane. Il y a toujours ce Lucian du côté des Billy Gaming. Là, Lucian peut être sympa. Alors, Gnar dans Camille, ça marche pas mal. À une époque, vraiment, oui. Camille détruisait Gnar. Maintenant, le match-up est un peu plus skillé, mais à l'avantage du Gnar parce qu'il a une augmentation de stats qui est colossale. Et. Celle-là où j'aimerais bien que les joueurs soient un peu plus foufous. Genre, Showmaker aurait pris la Camille mid et ils auraient mis le Galio bot. Ah, c'est ça.
Donc on va voir si BLG va suivre ton call. Un peu probable quand même. Bah, probable. Déjà ce Galio sera pas bot. Non, bah du coup déjà la Camille sera pas mis non plus. Mais du coup ça veut dire qu'on a juste un clean, un pusher décalé, hein, comme on l'appelle du côté du Galio sur la mid lane. Parce que prendre 2-1v1 ça n'a aucun intérêt. En parlant vite fait, 1v1 oui, Zoé, vas-y, j'y pense comme ça. Dernier patch, il n'y a plus de rédemption sur Zoé. Par contre, il y a les nouveaux items qui vont proc sur elle. Mais il n'y aura plus de rédemption dans les prochains patchs. Voilà, je pense comme ça, il vient d'apparaître sur. Sur le serveur du coup. Oh, Rael, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, j'ai jamais commenté de Rael encore. Et bah moi non plus. Mais bon, ce sera Alistar pour Marc. Marc a fait quand même une bonne game. Oui, non, complètement, je suis d'accord. J'ai bien aimé, avec son Alistar, il aime bien trouver les passages hors des wards dans la jungle adverse pour pouvoir ramener un adversaire. Ça surprend. Et du coup, on laisse à Leyan le choix du last pick en jungle. Une Nidalee peut-être. C'est bien. Ça fait beaucoup de poke, Nidalee Zoé. Ouais. On a l'engage après avec Léo Nagnar. Mais je trouve que la Xayah resterait assez esselée dans ce système. Mais pourquoi pas ? La Nidalee donc qui est lock face aux Graves. C'est aussi assez intéressant puisque tu peux aller facilement voler au moins un camp. C'est deux ultra farmers. Oui. Mais honnêtement, les deux petits gap closer de l'un et de l'autre leur permettent de passer là où le commun des mortels ne passe pas. Ouais, et ben genre Udyr. Il y a eu un Udyr récemment qui a été joué du côté des Dragonix, qui a gagné d'ailleurs. Mais à la fin, tu voyais Peanut et ce Udyr qui s'amusaient. Enfin, genre, Udyr, ah oui, j'ai vu. La Nidalee a passé. Ah ouais, énorme. Incroyable. Mais il y a eu un Udyr qui a gagné. Et c'est marrant d'ailleurs au niveau des différences entre les régions. C'est-à-dire que du côté de la LCK, par exemple, il y a des Rels. Du côté de la Chine, on n'a pas de Rels du tout. Mm-hmm. Du côté de la Chine, les Gnar ont marché dès la première semaine, notamment The Shy qui a détruit sa top lane. Du côté de la Corée, pas du tout. Et vraiment, on a des différences entre les régions qui sont assez frappantes. La Prio Akali aussi, semaine 1. Ouais, bah c'est full ban du côté de la Chine. Il y a une seule Akali qu'on a vue en Chine qui a pas fonctionné d'ailleurs au niveau de la mid lane. J'étais un peu choqué, ils se sont jetés dessus en mode ah, il y a Akali, raté. Et là, vous apercevez aussi les maillots, les nouveaux maillots de l'année. Hein. Je sais qu'on est déjà en semaine 3, mais certains n'ont pas eu l'occasion de tomber sur la LPL. Moi, je viens d'arriver, c'est ma rentrée des castes, comme je disais hier. Et je suis heureux de voir que les maillots ont un peu changé de tête. J'aimais pas toujours le sorte de V qu'il y avait pour tout le monde. Et je suis content que voilà, là, on le voit pour BLG. Il y ait des couleurs un peu différentes qu'on couleurs amène un peu. Ward. Comment ? Couleur Game Ward de l'année dernière. Ah, un peu, ouais, un peu. Et le petit logo Nike aussi qui est un peu moins omniprésent, qui était en énorme sur les maillots précédents. Là, là, c'est un peu plus sympa. Je veux bien être sponsorisé par Nike, si avoir leur logo, moi, s'ils sont chauds. Hein. Si vous m'entendez Nike, n'hésitez pas, évidemment. je vais taper les pauses. Just do it. Bref, deuxième game potentielle dernière de ce BO Croc ici. Peut-être. Entre deux équipes milieu de tableau. Attention au niveau de la top lane pour Biu, le matchup est pas simple. Il joue avec un Fleet Footwork d'ailleurs pour un sustain un peu plus correct, hein. Forcément la pointe de l'immortel aller faire proc sur Gnar, c'est assez difficile. Dans la jungle, historiquement les Nidalee ont souvent eu l'avantage sur ce split avec ça. Oh, invade à 5. Oh, j'aime bien. Oh, ça. Oh, j'adore. Let's go. Bilibili qui va aller rencontrer peut-être la Xayah, une Xayah qui ne s'attend pas à ce qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Bilibili. Le full recall, total recall du côté des Bilibili qui vont peut-être jouer le jeu jusqu'au bout. On reste à 3 bots et Ming qui vient rencontrer son opposant direct. Un back également après avoir posé une ward du côté de Heng. Je vous rappelle que le match se joue en direct actuellement à Shanghai au stade de Hongqiao qui est l'équivalent de comme si les joueurs étaient à Roissy Charles de Gaulle. C'est une plateforme multimodale en gros où t'as des avions qui vont partout en Chine et ailleurs qu'en Chine et c'est également non c'est l'aéroport un peu qu'on appelle ça interne, tu sais, c'est où tu vas partout en Chine mais tu peux pas aller à l'extérieur et c'est également là où il y a une gare quoi, donc l'équivalent de Montparnasse. D'accord, je m'attendais à ce que tu sortes, c'est un peu comme le Parc des Princes et tout, hein, c'est non, Charles de Gaulle. C'est plutôt Roissy Charles de Gaulle, vraiment. Et il y a un stade à côté. Okay. Et tu peux, et évidemment, t'as des métros pour y accéder, quoi. Voilà, ça vous donne un peu la situation géographique pour ces deux équipes qui jouent donc dans le stade de la LPL et n'ont pas leur stade à eux pour l'instant. Reretom et BLG n'ont pas leur stade, il me semble. Votre pseudo va me confirmer ça. Oh là là, ces gens qui savent tout du côté de la LCK. Moi, ça me plaît beaucoup. De la LPL. De la LPL, pardon. Je me mélange, mais bon, ce sont deux régions très fortes. Les deux derniers champions du monde en titre. Tu es pardonné. Pour le coup. Allez, full clear du côté de Leyan, en tout cas. Donc, c'est Corbin, Krugs, et il fera le red buff après. C'est assez rigolo d'ailleurs comme clear. Mais voilà, on focus évidemment les camps multi-spell. Ça signifie qu'il n'a pas commencé au Q-spell, je suppose.
parce que du coup il prend uniquement ses spells multi en first. Au top, le niveau 2 de la part de Biu qui va aller prendre un trade assez rapidement. On va avoir le Mega Gnar un peu du côté de Cube. Le problème d'un Mega Gnar, c'est que ça sustain beaucoup. On n'a pas pris de Torrent Shield d'ailleurs pour Cube ici, hein. Vraiment, il se sent très confiant dans le match-up. C'est pas facile pour Biu à faire, mais si à tout hasard il y a un petit passage de météore, on sait jamais, hein. On voit même des abatteurs, hein, sur des Gnar dans des match-up range versus melee. Attention, le bon double atomisation, headbutt atomisation même sur cette line-up des Rare et Tome, anciennement Vici Gaming, hein. C'est le premier split de Rare et Tome, mais c'est pas le premier split de Vici. Non, et puis bon, ça fait partie des petits renames, des ouais, structures qui changent, comme les Thundertalk et tout, ouais, qu'on a eu hier. Exactement, c'est juste de l'argent qui bouge un petit peu finalement. D'ailleurs, il y avait une histoire comme quoi les Sunning allaient peut-être se faire racheter et tout par, ouais, Weibo, je crois. Ouais, il y a également Rogue Warriors qui devrait créer un partenariat avec AHQ. D'ailleurs, AHQ ne joue pas cette année en PCS. Coïncidence ? Je ne crois pas. Je pense pas. Ah là là. C'est assez rigolo. Bah, c'est comme au niveau des diffuseurs où Tencent a 13% de Ouya, 100% de Penguin eSport. Oh, le flash! On va aller jusqu'au bout. On le ramène sous la tour. Il prendra un coup de tourelle. Oui, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il va aller au bout? Oui, c'est réglé. Les BLG, qui prennent le first blood ici. Et c'est un first blood pour la Décari. Ça part bien côté aiming. La recrue. Le dive au niveau de la top lane. J'en parlais tout à l'heure. Justement, Cube qui prend pas mal de dégâts. Meteor. Oh non! Il fait pas de flash! Les auto-attaques! Bah oui, mais je pensais que Météor il avait flash de l'autre côté de la tour. Bah Météor, t'avais deux balles. Je prache pas, coup de cheveux au tine. Est-ce que Cube mourit? Il avait peut-être peur que Cube ne meure pas et qu'il y ait le méga gnar et tout. Ok, ça a coûté un flash de Cube, ça n'a rien coûté finalement du côté des Big Gaming. Pourquoi pas? Et je revenais pour cette petite anecdote au niveau des diffuseurs. En fait, il faut savoir qu'il y a des ventes de droits et tout et tout. Et que Tencent détient la plupart des... au moins 50%, 50,1% de plusieurs des diffuseurs, Douyu, Ouya, Penguin eSports, c'est à 100%. Et t'en as un de ceux-là où ils détiennent que 13% pour l'instant. Mais c'est rigolo, c'est que Tencent gère le jeu, donc gère League of Legends, enfin, détient Riot Games, et vend des droits à des boîtes qui appartiennent aussi. Qui font partie de son... Mais je trouve ça très très drôle. En fait, c'est ce qui s'appelle créer son propre business. Ouais. Et gérer toute la verticale de ton business. C'est un peu le Disney des médias. Et du coup, si tu veux continuer sur le sujet, ils devraient rassembler deux de leurs diffuseurs, donc Ruya et Douyu, dans une seule et même plateforme, oui, qui deviendrait la méga plateforme chinoise et évidemment asiatique, parce que il y a plus de consommateurs en Chine que n'importe où ailleurs en Asie. Ah oui, non, mais c'est assez incroyable. Et du coup, comme ils vendent des droits à des diffuseurs comme ça, est-ce que ça veut dire que les droits de League of Legends pour diffuser du League of Legends sont vendus à Twitch? Alors, si oui, combien? Il y a plein de choses très intéressantes. Pour Twitch, je sais pas. De toute façon, la Twitch n'est pas disponible en Chine. Mais par contre, on le sait, hein, c'est 88 millions pour 3 ans pour Bilibili qui a acheté les droits des... C'était pas 113 grands... millions? Ah, c'est peut-être 113. 113, il me semble. 88, c'est peut-être les droits Overwatch League avec YouTube et Code League. C'est possible. Bah, c'est comme le fait que normalement, il y a eu une vente à la MLB il y a quelques années, en 2016, des droits. MLB, c'est un truc de baseball aux États-Unis pour 7 ans. De vente à la télé et tout, donc on sait que Riot, il y a de la vente de droits un petit peu partout, tout ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est massivement le sponsoring qui finance l'e-sport, oui, alors que les droits de diffusion sont quasi à zéro, c'est pas zéro, mais étaient quasi à zéro, et aujourd'hui ils sont en train de transformer ça, entre autres à cause aussi du système de franchise. Parce que quand tu rentres dans un système de franchise, les équipes elles disent, moi je vais récupérer une partie de l'argent à la fin de chaque saison qui ont été issus de la diffusion de ma ligue. Donc forcément, et des partenaires qui sont associés, donc forcément que tu sois le premier ou le dernier, t'es intéressé par les droits de diffusion. Complètement, mais bon, c'est assez rigolo de voir ça, enfin de voir une évolution de ce milieu, parce que les droits de diffusion, après c'est comme le sponsoring indirectement qui rapporte de l'argent, parce que tu diffuses à la télé, et la télé paye parce que y a des marques qui vont apparaître à la télé. Finalement, etc., Gardoum, etc. Avant Riot vendait des skins, donc 5€. Maintenant, ils continuent à vendre des skins, mais ils vendent aussi des slots à 10 millions. Ils vendent du temps de cerveau du public disponible et des franchises à 10 millions. Mais ce qui est très bien, parce que ça permet de faire connaître au plus grand monde. Bref, et oui, on divague beaucoup parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans la game depuis tout à l'heure, soyez rassurés. Est-ce que c'est une game de LPL, Cardoum? Écoute, pas des masses de bagarre club. C'est un sujet vachement intéressant, mais... Non, mais en plus, je pense que ça peut en intéresser certains dans le chat, parce que ce n'est pas des sujets qu'on a habituellement l'occasion de traiter. Ex-flash pour Marc, non, ça va. C'est un ex-flash à l'envers. On aurait pu aller chercher iBoy qui n'a pas son flash, qui n'a pas son heal. Et attention, cette fois, c'est un décalage qui est proposé avec une bulle qui touche. Mais est-ce qu'on peut aller au bout de ce move pour Fofo? Je ne pense pas. Fofo, 50%. Là. L'ancien transféré de la PCS, anciennement LMS surtout. Ah là, LMS, quelle belle région. En fait, la plupart. Et qui est face à son ancienne équipe, d'ailleurs, je viens d'y penser.
Ah mais oui, oui, bien joué. Il était chez Bilibili. Bien joué. Bah écoute, ça s'est mal passé pour lui dans la première game. Voilà. Important à noter ici, attention, la Spire, ça ira, c'est juste un petit Corbin, les Yann. On ne pourra pas voler le gros, c'est défendu par Meteor. On voit qu'il y a une petite avance de level hein, du côté de Fofo, un niveau de plus que ce leader adverse. Leyan, pareil, Meteor vient à peine de récupérer niveau 6. Donc on a une petite accélération du côté des rares atomes. Et ce qui est rigolo, c'est que top, pour cette Camille, ça se passe pas si mal que ça. Parce que Gnar en ce moment, c'est fort. Face à Camille, le match-up, en théorie, à une époque, était à l'avantage de Camille. Clairement, maintenant, il y a beaucoup de Gnar qui dominent parce que les stats ont été up. Mais bon, Bugbio a l'air de jouer correctement son 1v1, en tout cas. Et je suis étonné, c'est qu'il soit pas retourné forcé sur ce Gnar avec Meteor. Il y a les deux flashs de disponibles, il y a un ultimate du côté de la Camille, il n'y a pas de méga Gnar. C'est dommage d'avoir fait claquer le flash d'un mec et de le laisser tranquille après. D'accord. Alors qu'une Camille, c'est un pic qui snowball bien, c'est pas comme si tu venais pour aider un Horn. Je suis d'accord, et bah ça y est, là on y va, mais il a récupéré son heal, mais on va essayer d'être le plus nombreux ici sur cette bot lane. Un premier kill ici, est-ce qu'on peut aller chercher également la Leona qui tank beaucoup. Ce n'est pas le boss de fin, mais on n'en est pas loin. Du côté des Billy, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire aller chercher Highboy qui n'a même pas heal. Il se savait condamné et il a bien raison, ça lui servira sur la suite de la phase de lane. En face, bah, Leyan lui PVE hein, depuis le début, il va chercher du farm, il envoie quelques spears à droite à gauche. Il n'a pas trop aidé ses solo laners, il s'occupe plutôt du farm. Hein. Ouais, voilà, 66 à 53 et il aura le premier héros de la faille, à défaut du premier dragon qui arrivera peut-être après. C'est un dragon des montagnes, c'est pas le plus intéressant en tout début de partie. Non, c'est pas fou, mais au moins l'avantage c'est que tu sais que ce sera pas une map des montagnes. Et puis tu fais tourner les dragons. Plutôt que les serviettes. Ouais. Oh, Marc, notez ce que Marc fait ici en termes de placement. À chaque fois, il est caché derrière. Attention, Bugbio le trade. Face à Cube, Atomic Steak. Marc, justement, qui est là. Coucou Cube. Oh, coucou, il lui saute dessus. Eh oui, mais ça ne suffira pas. Et on va chercher les assists et même le kill pour Meteor qui ne le laissera pas dans son 1v1. C'est peut-être un peu dommage parce que je pense que la Camille, avec ce kill, elle pouvait vraiment passer devant. Mais bon, il faudra que le grave repasse. Tu maximises les golds, quoi. Il faut essayer de voir ça comme ça. Hang. Au niveau de cette millaine bot, on a laissé deux carriades. Alors, attention, c'est pas forcément l'avantage d'une Xayah. Aiming a pas d'ulti, mais on sait que dès que ça arrive l'ultimate, bah Kaisa c'est une espèce d'assassin maintenant. C'est un carriadé assassin qui, on l'a vu récemment, n'hésite pas à ulti Olaf et à aller prendre des 1v1 qu'il gagne. Hein. Ouais, un carriadé qui va au cac d'un Olaf gagne. C'est un assassin qui se fait un peu chasser par le bon laner que représente Xayah. On revoit ici Cube qui va prendre l'ultimatum ex-tech de la Camille. Il sait que le plus dur est passé en fait. Ici, notre cher Bubu, la temporisation. On saute sur le Alistar, mais c'était sans compter le fait qu'il avait encore son combo disponible. 3-0 pour les Bilibili, ça a l'air d'être encore plus one-sided ce début de partie que ça ne l'était. Moi, ça me permet peut-être de repasser au-dessus des 10 capog. T'as voté pour qui, toi? J'ai pas pu me mettre sur le... Ah, c'est pas, pas avec les jeux d'argent, c'est pas bien. Bon, enfin, pour ce que c'est comme argent, les POG, mais tout de même... Allez, du coup, Billy Gaming, tu l'as dit. Bon, petite avance. Alors, ils n'ont pas eu le premier rôle à faire. Il faudra voir où les Yann l'utilisent. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de lane où la tourelle a été agressée. On voit qu'il y a toutes les plaques de part et d'autre de la map. Et je me demande si du côté des Billy, il n'y a pas une accélération à faire. Au niveau de ce top side, tu as envie de mettre le Gnar au fond, d'avoir une Camille qui ensuite peut faire un speed push qui pourrait être assez intéressant. Camille, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup plus souvent avec la Trinité qu'avec le Demon Thunderer. Parce que Camille a une statistique de base d'attaque speed qui est un peu dégueulasse, vraiment. Parce qu'elle a du reset d'auto-attaque, parce que son shot augmente la vitesse d'attaque. Mais comme la stat est un peu naze, la Trinité est vachement intéressante. Et la Trinité, il faut savoir que c'est un thème qui se booste lui-même, parce que le proc de Trinité augmente les bases damage. Et le proc de la Trinité, ce que vous spell blade ou spell force, je sais plus, provient des bases damage, c'est-à-dire la statistique dégâts de votre personnage qui augmente de niveau et pas des dégâts totaux. Toi, tu m'as perdu, j'étais en plein train de regarder Marc, du coup, voilà, j'ai pas repris. Voilà, ça c'est la rentrée des castes aussi, parfois, bah voilà, on n'est pas pile poil pixel pour reprendre la parole. J'étais en train de regarder justement les déplacements. C'est la rentrée des castes pour toi et bientôt la rentrée des classes pour moi. Exactement. Bien joué, Gardoum. Voilà. C'est vrai, prof Gardoum, imaginez prof Gardoum. Moi, je pense que ça va être vachement intéressant. Les pauvres élèves. On va avoir un cours en vitesse x3. Oh, la bulle encore. À chaque fois, Fofo, il trouve. Mais le problème, c'est que taper dans un Galio, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Hein. Allez, on le voit ici. Au mieux, tu entames sa barre de points de vie, mais elle remonte avec sa petite potion. Et en plus, le pire, c'est que tu tapes dans le shield, quoi. Souvent, le shield qui revient. C'est le cas. On parle de shield, attention, parce qu'au niveau de la botlane, il n'y a pas beaucoup de protection pour aiming, là, qui est tout seul. Est-ce qu'on veut tenter un dive au niveau du top Cube? Oh, mais le problème, c'est qu'il a bientôt Magagnar. Justement, aiming, je vous en ai parlé, qui est tout seul, le dive, qui est en cours de la part de Hank. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, Hank, le petit peu en arrière, en mode je ne dive pas. Et finalement, il y va, justement, c'est un bait. Il y avait un flash de disponible pour aiming, il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, Hank, ici, vraiment, ce qu'il a fait, Hank, c'est incroyable. Très propre. Parce qu'à la base, il y a l'éruption solaire.
Et après, il fait genre un panorama en mode oh bah non, on va pas prendre le trade finalement, ça a été raté. Paf, il repart dedans. Aiming s'y attendait pas, il n'a pas flash. Exactement, j'ai bien aimé effectivement. Petit pas en arrière et l'âme du zénith. Donc à noter, hein, pour pouvoir bait ton adversaire, bah faut le faire jusqu'au bout. Pour le faire jusqu'au bout, rien de mieux que bah, d'avoir cette stratégie. Mais... c'est très rigolo parce que je vais faire un parallèle avec le foot. Vous ne m'entendrez pas souvent faire ça. Ouais, 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 c'est vrai. Mais je me souviens qu'il y a jadis, du coup, c'est à l'époque où Zidane jouait, il y a un mec à la télé qui avait dit, en fait, quand vous regardez Zidane jouer, souvent, quand il est près du but adverse, du panier, du but, c'était bien au début, il va faire une passe essayé de parler de et après, il court un petit peu sur le côté en baissant la tête un petit peu comme s'il se faisait oublier qu'il avait plus l'air agressif pour s'en remettre à un endroit stratégique. Et c'est ouais, exactement ouais. Ce que vient de faire ici Eng. On pourrait dire que c'est finalement comme si c'était un petit dribble ce qu'il nous a fait, puisque du coup, il y a le côté mystifier l'adversaire avec... le petit pas en arrière pour mieux revenir. Eng, mais on avait vu déjà hier et ça n'avait pas du tout marché le même coup ou la décarie. Je sais plus, c'était sur le match d'hier entre Team WE et je l'ai plus. Et du coup, OMG. Alors, ça y est, je suis perdu. Non, c'est OMG RNG. OMG RNG WTT. Ouais, WTT. Et du coup, pareil, on avait eu la décarie qui faisait croire qu'il allait pas suivre le move sous la tourelle. Et ensuite, après son petit pas de côté qui dachine. Petite feinte de frappe, exactement, Pragnose. On pourrait dire ça. J'ai fait une référence au foot, quoi. Ouais. Bon, c'est une référence au foot de boomer. Hein. Ça date de l'époque où Zidane jouait, machin et tout. Pour que je regarde la télé en plus, déjà, c'est qu'il y a plus de 10 mais ans. Mais pour faire des références. Oh, attention, parce que là, si on faisait une référence sportive, c'est plutôt le coup de tête de Zidane, hein, du côté du Alistar. Ah, pire référence. Ça devrait jamais exister, ça. Il aurait plus jamais dû être autorisé à pratiquer le foot. Ah, alors ça, je savais que j'allais lancer Gardoum sur un sujet épineux. Très épineux. Évidemment. Mais bref. Mais dites-nous dans le chat, quel est le sport que vous suivez le plus quand vous ne suivez pas de l'e-sport. Ça m'intéresse, moi, de... Non, mais alors, toi, je sais, Gardoum. Mais je parle pas... je parle aux zoomers. Oui, parle aux zoomers. Bon, même les boomers, en général, ils aiment bien suivre des trucs. C'est vrai que moi, je suis le seul mec qui déteste suivre des trucs. J'aime pas. J'aime pas suivre des trucs. Non, mais j'aime bien jouer, mais j'aime pas regarder. Ah, voilà le boomer. Stardew Valley, tu vois, je pourrais suivre du Stardew. Alors, ce n'est pas un sport, ni un e-sport aujourd'hui, même si, avec des copains, on avait réfléchi à... en mode e-sport, ce serait un jeu en mode, il faut que tu... Optimisation en 3 ans de jeu. Voilà, exactement. Oh, attention ici, est-ce qu'on peut faire un truc gaming? Justement, c'est pas mal, faux l'Ignite. Ça ne passera pas, mais vent de la guerre de Zeka vont aller jusqu'au bout, 4-1 toujours du côté des Billy Gaming. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont 4-1, mais regardez les cartes de gold. 400 gold à peine, ça ne vaut pas grand chose. Dragon d'ici une vingtaine de secondes, par contre Fofo n'aura pas encore Rez. Ils peuvent le faire instant les Big Gaming, s'ils ne font pas instant il y aura une téléportation de la part de Fofo. Biu est top, il y a une téléportation. Cube a une téléportation aussi, mais il n'est pas encore de méga gnar. On a un petit timing du côté des Big Gaming, mais c'est un timing instant dragon or nothing. Ça avance tranquillement, les Gale Force sont en place. La Trinité topside et le deuxième dragon donc côté Rare et Tom cette fois-ci, alors que les Billy pourraient fructifier quelque chose peut-être topside dans la suite de la partie. Ça sert à rien de rester bot maintenant avec le héros de la faille. Oh Marc, les Yann qui lui saute dessus ou pas? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, les Yann, c'est un bait. Tu te fais bait jusqu'au bout peut-être, quoique le baiter baité, il arrive à sortir de cette situation. C'est pour ça que Nidalee c'est trop fort. Ça a beaucoup de mobilité, hein. Chap en parle énormément. Mais il a claqué son flash là-dessus. Certes, il a bien attendu en fait que l'aftershock de Marc se termine avant d'y aller. Zeka peut-être trop attendu avant de mettre l'entrée héroïque. Et les raratombes qui remontent ici, hein. Ça fait un peu penser au Billy Gaming tout à l'heure. Ouais. On sent ça va se de la game. Et t'as une Camille qui est pas faite, une Camille qui va avoir un speed push difficile ici. Moi, c'est ça qui m'embête un peu. C'est le fait que t'aies pas mis cette Camille vraiment bien dans la partie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je comprends pas. Le Graves, ok, il prend quelques gold supplémentaires. Mais juste la smoke, c'était suffisant pour avoir l'assist. Je suis d'accord. Ou alors sur Vingang, ils ont fait claquer le flash un moment. Enfin, faut savoir sur quelle lane appuyer. T'as pas besoin d'appuyer bot. En fait, il a absolument pas besoin d'être bot. Il doit fonctionner que sur le top side. Quitte à ce que y ait le Galio qui vienne aider en fait. Bien sûr, Galio il est pas là pour autre chose de toute façon. T'as envie de mettre les adversaires sous leur tourelle. Le héros de la faille qui va être tenté en tout cas. On a ce Alistar qui est proche, Marc qui vient de mourir, mais c'est pas grave. Pris au top au niveau de la mid lane. Un Galio qui n'a pas d'entrée héroïque. Attention, Heng qui arrivera un petit peu tardivement. Et de toute façon, Leian, est-ce qu'il peut être là? Oh, intéressant. Difficile. Cube qui va être prêt à partir. Cube, il n'y aura pas de méga gnar. Quoique, si, il y a le méga gnar. Mais on va pouvoir le tuer normalement du côté de Biu Biu. Non, on peut pas y aller. Il s'échappe. C'est pas... Il y a un héros de la faille quand même. Exactement. Et le héros de la faille, lâchez le top. Lâchez le top. Gardez la drift. Gardez Stribush. Ok, on veut pas y aller. On veut pas y aller. Alors que pourtant, il y a Eming qui fait le décalage. Le Galio qui préfère faire un back. Il avait la TP de dispo. Et encore une fois, regardez, Eng. Il recule tout en mettant son éclipse solaire. C'est rigolo. Hein. C'est vraiment le côté.
Tu peux pas avoir d'attitude IRL, de regard ou autre quand tu joues pour faire des baits. Il ne regarde pas son adversaire quand il tire. C'est comme les fameuses feintes hein, au basket quand t'arrives. Tu fais genre, tu vas sauter, tu regardes le panier et paf, la petite passe à côté. Enfin, il y a beaucoup de frappe. Ah là là. Fun de frappe. Et on nous dit dans le chat que vous suivez des sports très différents. Rugby, course de billes. Est-ce que c'est un sport ça, course de billes? Je joue à tricky bille moi quand j'étais gosse. Attention ici, l'aspire marque. Football. Ok, c'est pour son petit copain. Course de drone, tu le considères sport pas sport? Glopo il en a cassé une course de drone d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, voilà, je me souviens. Anecdote. Mais pourquoi pas, écoute. Tant qu'il y a des gens pour. Tant qu'il y a un public. Crossfit aussi. Est-ce que ça se regarde? Je sais pas. Parce que c'est un petit peu comme si tu me dis, je regarde du twerk en tant que sport. Je vois bien ce que tu regardes. c'est un type de sport. C'est un sport... visuel. Visuel, ouais. Effectivement. Tu travailles les muscles oculaires. C'est de l'orthoptie d'ailleurs, ça. Ça s'appelle comme... La pétanque, on nous dit. Oh, énorme, énorme. La pétanque ou la boule lyonnaise? Attention, hein, c'est pas pareil. La pétanque ou la boule lyonnaise, exactement. J'ai pu faire un concours de pétanque. Ah non, j'ai fait le championnat national de Molki, moi, garde-moi. Oh là là, mais croque. J'ai fait quart de finale, un gros vol à l'étalage, mais ensuite j'ai perdu. Voilà. Croque avec son petit verre de pastis à la main. Oh non, en Molki, au festival international ludique de Parthenay, je vous conseille. Incroyable, incroyable moment. Okay. C'est très sérieux, Croc. C'est vrai, la course de billes, c'est très sérieux. Oh, je veux voir ça. Envoie-nous des vidéos sur Twitter. Mais il y a des choses incroyables de Coupe de France de course de billes. Météor qui prend cette fois-ci enfin la poudre d'escampette vers le topside. Je crois pas que la poudre d'escampette c'était le bon terme. Mais en attendant, il faut s'installer topside en fait. Il faut s'installer topside pour finir cette tour et pour pouvoir maintenant embêter Cube sur sa récupération de CS. Ouais, moi ce qui m'embête c'est pas Cube. Cube c'est peanut en fait dans la game, je trouve. J'ai un gros problème avec le fait que les Billy Gaming n'aient pas joué assez à grandeur libre. On sauterait sous les T2. Les T2 c'est le meilleur endroit pour zoer avec des grands murs pour faire passer tout par-dessus. Attention, le trade ici qui est pris à l'avantage de Cube. Biu qui va même passer d'aller contester alors qu'on avait repassé en Ignar, mais il sait que ça bouge vers lui. Il le sait, Hank justement qui est là. Est-ce qu'il va faire un ultimatum extake? Oh le flash! Ah, magnifique! Non, fallait ultimatum extake avant Biu, il a raté! Ultimatum extake sur Hank, flash sur le côté, look shot qui revenait après. Énorme par contre la préscience de la part de Heng. D'accord. Pour l'instant, mon MVP, hein. 100%. Oui, non, Heng vraiment qui débloque les moves. Le rôle à Fine Mid, ok, on va débloquer enfin la première tourelle pour les Billy Gaming. Il y a une tourelle bot aussi, hein. Il faut faire la rotation là, il faut rotater bot, messieurs. Oh, magnifique le coup dans l'œil avant que ce soit trop tard. Et c'est bien parce qu'au moins Billy Billy sur ce move, ils vont capitaliser sur deux tourelles. Il faut poser de la vision dans. En fait, le truc, c'est que. À quoi ça a servi d'avoir posé la vision topside qui s'est fait clean par Eretom alors qu'en fait le prochain objectif étant dragon, de toute façon il fallait plutôt tourner botside. Oui. Donc là il y a eu ok des tourelles qui ont été récupérées, certes, mais je pense que le dragon il est plutôt en faveur de Eretom maintenant. Et là il se mettait au bord du bush, ultimatum exec sur Heng et il avait ensuite un flash en mode un petit peu surpris. Non, ultimatum exec sur Leyan pour repousser Heng, comme ça Heng n'est pas à portée de stun. Ouais, et là évidemment bah, comme prévu le dragon en faveur de Reritom puisqu'ils n'ont même pas eu besoin d'aller warder derrière, ils savaient qu'ils étaient en manque de vision les Billy Billy sur l'action précédente vu qu'ils étaient déjà allés récupérer en fait c'est du temps, c'est de l'argent et là c'était des ressources sur cette botlane et cette midlane qu'ils avaient investi, donc maintenant il fallait revenir à la base. Donc deux dragons à 1 et donc une map océan qui s'est révélée déjà au dragon précédent. Une map océan, est-ce qu'elle avantage spécifiquement une équipe? J'aime bien l'idée où les rares atomes longs pour un Ignar qui sera en plein milieu de la mêlée avec une Leona qui a déjà beaucoup de tankiness et qui a besoin de régénération HP. Ça peut être assez rigolo. Et je viens de me poser une question, il faut que je vous la pose, elle est très bizarre. On sait que le verbe pleuvoir, il n'y a que il pleut. Voilà. Mais le jour où si on trouve que les nuages ont une conscience, est-ce qu'un nuage pourra dire je pleux? Voilà. Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures avec ça. C'est les premiers cours de Gardoum, hein. soyez francs. En tout cas, 65% de chance qu'il y ait Atom gagne. Il y a Atom ici. Alors, en termes de scaling, c'est un peu particulier. T'as la Xayah qui est pas mal, la Zoé dans des conditions particulières. Zoé, c'est très mauvais en défense, c'est très bon en attaque, vraiment en siège offensif de tourelle. Là où en face, t'as quand même une Kai'Sa qui a beaucoup d'options dans la game. Biu Biu, au niveau du match-up pur et dur 1v1, au bout de quelques items, je pense qu'il finit par gagner face au Gnar. Mais le problème, c'est que là, il est pas dans son temps fort. Vraiment, tu viens d'avoir une trinité. Le Gnar a son premier item aussi. Donc, c'est clairement l'avantage du Gnar. Il va falloir attendre l'hydrovorace du côté de Biu Biu parce qu'il n'y a pas d'anti-heal pour le moment pour Cube. Alors qu'on voit quand même une inversion des rôles hein, entre le début et ce milieu de partie.
Billy qui maintenant s'installe botside, qui clean de la vision, Marc qui repose également des wards, et je disais qu'en BT Cube pouvait être une option, mais Cube pour l'instant reste bien en place. Que va-t-il se passer dans la suite de la partie? On a un dragon dans 3 minutes, on a surtout un Asher qui est disponible. Il n'est pas forcément hyper simple à 2 items Xayah plus Zoé. Par contre, du côté des Billy Billy, entre Graves, 2 items plus la Kaisa, je pense que ça peut être un brin plus rapide. C'est pas le Gaillot qui pourra aider, par contre. À voir dans la suite de la partie si on peut débloquer cet objectif en sneaky ou pas. Et Ming à la récupération de CS. D'ailleurs, est-ce qu'on a des différences importantes à cette fin de laning phase? Pas tant que ça. Pas tant que ça, hein. C'est sensiblement équivalent. Et là, on est plus dans la question de composition et comment vont se jouer les fights. Ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont une grosse capacité d'engage, et Billy Gaming, mais sur qui ils vont aller, puisqu'il y a deux Oignons en face, hein, justement, on se prémunit contre cet engage Camille Gallio, donc il faut réussir à bait ça. Tu peux pas aller sur Iboy qui a un ulti, tu peux pas aller sur Fofo qui a un Zonia, tu peux pas aller sur Leyan qui a un Zonia, t'es obligé d'aller sur Cube limite quand il est en Mignard. Et je pense sincèrement que ça peut être un bon choix de choper Cube en Mignard pour ensuite être en surnombre. J'ai l'impression de m'entendre. D'accord. Pourquoi on entend Aureus qui caste? Aureus qui caste un autre match de la LPL. Oui, je sais pas. Trop bien, d'accord. D'accord, okay, c'est parce qu'en compris. Fait, Aureus est en train de s'échauffer la voix pour la prochaine game. Il s'entraîne. Okay, okay, et j'aime bien les gens consciencieux comme ça. Le Baron Asher qui est récupéré de la part de Météor. Le fight qui était engagé, marqué dans la mêlée directement. Leyan, Souzonia, c'est Kak qui va essayer de s'enfuir. Mais regardez, on n'arrive pas à se mettre en place. Il faut courir maintenant du côté des Billy Gaming. Pourquoi ont-ils pris ce fight? Biu Biu qui n'a pas de flash, mais c'est la catastrophe. Ils prennent le Asher, c'est bien, et ils s'enfuient pas après. Mais c'est nul, c'est catastrophique. Attends. C'est pas normal ce decision making. Oh, et Eng qui pourra pas aller le chercher, mais Zeka qui risque de sombrer. Oh, l'ultimate de Zeka pour pouvoir revenir, mais il va être récupéré par Iboy. Iboy qui flash, mais c'est un Zonia qui bait. Et Ming qui arrive. Oh, attendez, Fofo la menace. Oh, le flash, non, le flash de Fofo, non, mais il n'arrivera pas. Oh, le taunt, incroyable ici. Les Billy Billy qui a deux doigts de la mort arrive à temporiser les deux kills. Incroyable. Wow. Et Ming et Zeka ici. Mais what the doom? Honnêtement, on s'endormait dans cette game. Je suis pleinement réveillé maintenant. Ah mais pourtant, je venais de dire que c'était nul. Parce que là, ils prennent le nage. Je comprends pas pourquoi ils font une engage après. D'ailleurs, c'est trop bizarre. Vraiment, le fait qu'ils fassent une engage sur un mec qui a un Zonia dans la jungle adverse. Dans ça, un checkpoint, c'est n'importe quoi. Oulala. Ouais, ça, on oublie Billy Billy. Ça, on va dire nul. Ça veut dire surtout qu'il y a plus de... Comment il s'appelle le gros serpent là? Baron Ashor, pardonnez-moi, sur Biu Biu. C'est terrible, j'oublie des noms parfois. Et là, belle ultimate pour essayer de s'escape. Il sait qu'il n'a pas de CC, le Gnar a proposé. Ça va être incroyable. Hop, on t'en prend. Quel Zonia ici. Le pot qui... Oh non, on n'a pas le temps de voir parce qu'il y a un dragon. Flûte. 20 secondes. Ah. Et on va jouer... Et en plus de ça, on va obliger les Billy Billy à jouer sur un objectif neutre alors qu'eux, ils voudraient pusher les waves. C'est plutôt bien vu de la part de Reritom. Le poke qui s'installe. Et regardez, le Alistar qui va arriver. Oh non, le Alistar qui ne trouvera pas sa cible. Il va se faire repousser. On va très très loin. Et du coup, le Gnar se fait éviscérer derrière. Non, c'est Nelly, pardon. Alors qu'on continue sur un petit choke point. Le choke point avec Cube. Cube qui a poussé tout le monde. Mais Cube tout seul maintenant. Biu, le stun, c'est pas mal. Il va pouvoir se hitch directement. C'est pas passé à grand chose pour Biu. Mais bon, ça va faire un deuxième. Et ça fait deux dragons partout. Et surtout, un net avantage maintenant pour Billy Billy. J'ai trouvé qu'il s'endormait. Je trouvais qu'il perdait de la temporisation. Le rythme qui décélérait, je pense que c'était pas mal pour Eretome. Mais maintenant, on a un bel avantage. Ouh, c'est bien. Ils avaient besoin de remonter comme ça. Il y a une tourelle bot à récupérer. C'est une Camille. Go. Prenez tout ce que vous pouvez. Il n'y a plus d'envolée maintenant du côté de Highboy. Mais les plumes, elles restent tellement temps. Regarde le zoning. Tu ne peux pas t'avancer, taper la tour pour Eming. Tu vas te prendre des plumes. Sinon, c'est horrible comme truc. Effectivement. Ah, je déteste Xayah pour ça. Les plumes restent trop longtemps. Mais bon, la tourelle bot est récupérée de la part de Biu ici. On a réussi à avancer. On a réussi à prendre 3000 gold d'avance. C'est quand même pas beaucoup 3000 gold d'avance. Mais comme t'as l'été de adverse, tu peux te mettre dans une position offensive qui, je le rappelle, est une position défavorable pour la Zoé. Ah, et puis c'est vrai que on va arriver sur des paliers de triple item pour Billy qui devrait pouvoir les mettre dans la situation dont tu parles, c'est-à-dire une situation agressive. En plus de ça, on peut se projeter quand même pas mal vers l'avant entre Gallio, Kaisa, le Alistar juste derrière. Alistar qui a bien contré l'agression de la Nidalee avec le fait de l'avoir repoussé direct en headbutt.
La Nidalee qui n'a pas touché sa cible et qui s'est fait éviscérer. C'est vrai que c'est bien hein, quand même Alistar contre Nida, honnêtement. Bah, ouais. Le 1 contre 1, enfin, évidemment le Alistar n'a pas les dégâts, mais s'il arrive juste à soulever la Nidalee, tu peux avoir le temps nécessaire pour pouvoir faire le move. Bubu. Oh, attention, cube. Leyan, il est pas à portée Bubu pour l'instant, est-ce qu'on pourra le ralentir assez? Non. Il est où cube? Il est loin, il est loin cube en fait, c'est du 4v5 qui est en train de se passer ici. Et on va prendre la tour au niveau de la top lane, la tour elle mid et toujours là, mais c'est pas grave, ça avance bien du côté des Billy Gaming. Il n'y a plus de Nashor certes, mais il revient dans deux minutes, on aura pu s'avancer sur la map. La tour elle mid, est-ce qu'on peut la taper? L'éruption solaire c'est évité, évidemment. Marc Hanks se met devant Marc en protection avec son corps si musclé dans un pyjama. Là faut pas rentrer hein. Faut pas rentrer dans ce petit espace. Ce buisson n'est pas pour toi Marc. Attention, quoique Biu Biu qui arrive en deuxième. Attention, c'est sur Eng, mais c'est peut-être pas la bonne personne derrière la temporisation avec le Galio. Mais là on fait complètement un gros troll. Mais what? Mais alors écoutez les gars, je peux engager un type? Non, en fait ils se sont dit, les gars, je vous rappelle qu'on a Camille Galio. On le fait fonctionner, oui ou non? Pas non. Bah non. Ça m'énerve en fait, les Billy Gaming, vraiment, Zeka Biui m'ont fait vomir la game précédente, c'est un peu pareil quoi. Je comprends pas. Comment tu dis, on vient de prendre la tour, on vient de faire du nage, c'était trop bien tout ce qu'on a fait, là tu dis, oh ça fait longtemps qu'on a pas ruiné, non? Allez copains. Bah, je pense que c'est pour maintenir les espoirs à flot de tous ceux qui ont investi tout leur POG. Ouais, mais il m'énerve. C'est vraiment, t'as pas le droit de faire ça en théorie. Je suis déçu. C'est tout part bien et d'un seul coup paf. Tu sais, c'est un peu comme si les RNG, ils arrivaient genre en finale des playoffs et ils perdent 3-2. Tu serais déçu aussi. N'arrive pas jusque là habituellement. Ouais, mais là il y a des chances. Il y a eu des périodes où ça joue bien là quand même. Mais il faut oublier l'année dernière. Ça joue bien. Est-ce qu'il n'y a pas l'aura de Tonton Uzi derrière? Ben même Uzi il y croit que moyen. Je sais pas si vous avez vu les funny moments, mais quand il a vu que RNG était face à Sunning, il était en mode ah bah RNG va perdre. Mais bon, c'était sans compter Croc le Croiveur qui savait que ce serait de la racaille facile à éliminer. Et la Croivance Club. Le Croivance eSport Club qui a encore réussi son pari. Le cake. Ouais. Invaincu RNG pour l'instant en BO. Oh, attention, l'engage qui est fait sur Zeka directement un petit peu loin tout de même. Oh, magnifique! On va dans la mêlée pour Marc, mais il n'y a pas de backup, il faut TP. Regardez on derrière. Biu Biu qui arrive par derrière, est-ce qu'on peut attraper Fofo? Peut-être lui se mettre Mextech qui est sur les galons, on s'échappe rapidement, c'est pas mal ce qu'on fait. Eming va prendre un kill directement sur Eng. Est-ce qu'on peut se retourner sur Cube rapidement? Oui, Eming qui essaie de faire le taf à gauche, à droite, ça passe peut-être. Eming qui doit taper, mais ça tanque tellement encore. Ce Megagnar, ça tanque trop, mais regardez-moi ça! Cube il est encore vivant, c'est Eming, pas regardez. Normal. Eming qui s'est projeté, Eming qui prend un kill de plus, et surtout, on ne pourra pas accrocher avec ce grappin. Un champion adverse. Bonne phase de jeu tout de même pour les Billy. 2-2. Et il y a un Nashor qui pourrait tomber dans l'escarcelle de la BLG Team. Les Croiveurs en force. C'est exactement ça. Oh la TP. La TP elle va être défendue. Cette prise de Nashor. Donc récupération de l'objectif. On vide la vision. Et on va faire son bac, je pense, du côté des Billy. Un match âpre, un match contesté. Oh non, non, pas comme ça, non, pas maintenant. Non, mais non, mais non. Pas ce bac, non. Eming, éviscéré, évidemment, par Leyan. Grâce à cette très bonne ward, on n'est pas attentif du côté des Billy. Et Gardoum est en PLS. Ils sont nuls. Enfin, je suis désolé, c'est pas du beau League of Legends. C'est pas du League of Legends d'une région majeure à ce point-là. C'est des erreurs. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des moves qui sont cool et des erreurs qui sont vraiment grossières. Oh, attention. Et, c'est le côté les auto-attaques. Marc, c'est pas mal ici. On essaie de revenir dans le fight pour Bubu. Magnifique. Le taunt qui est excellent de la part de Zeka. On prend deux kills en faveur des Billy Gaming. Heureusement que les Raratom ont fait des erreurs eux aussi. Oh. Ça sauve les Billy Gaming directement à l'entrée de ce Galio. Et ça fait 4 kills en faveur des Billy Gaming qui vont essayer de pousser maintenant. Il y a un dragon à aller faire aussi. Il y a un baron. Tout est faisable. Mais tu vois, on est plus sur des erreurs grossières des deux équipes. Et c'est là où je trouve que la LPL manque un petit peu au niveau de son haut de tableau. C'est très très cool. Vraiment, c'est assez incroyable à suivre. Parce qu'ils font des erreurs, mais parce qu'ils font beaucoup de plays. Là, c'est pas des plays, c'est vraiment des petites erreurs un peu bêtes. Ils vont pouvoir finir, tu crois? Bah, il y a qu'un croc, pardon. Croc en défense du côté de la base. Croc en défense, défense centrale même, je dirais même. Et on va essayer de finir. On le repousse, on sait qu'il n'y a plus rien maintenant. Cube qui va temporiser encore. Mais qu'est-ce qu'il est tanky ce Gnar? Ils n'ont pas d'anti-heal. Donc là, ils n'ont pas fait le Nashor. Ils n'ont pas fait le dragon. Et ils vont devoir prendre un reset maintenant. Ah ok, le dragon va être fait par Eming. Ils vont devoir prendre un reset maintenant. Donc laisser le Nash. Decision making, c'est pas ça. J'ai l'impression que l'épine dans le pied de Billy, c'est Cube. Mais oui, mais ils ont pas d'anti-heal. Enfin, c'est un Gnar qui a Gordrinker, qui a Randuin. Il paraît qu'en plus, c'est moins cher maintenant. Il y a eu des petits changements sur le Gordrinker.
Mais ça va être. Non, mais un anti-heal, ça coûte quoi, 800? Ouais, et ça vache qu'il y a moins 60% sur les items tier 2. En plus. Et tout le monde peut en avoir, pour pas cher, même les AP. Même les AP à 800, ils ont de l'anti-heal quand même. Est-ce que c'est pas trop cool ça? Donc non, il faut absolument, parce qu'en fait, le Gordrinker et le Starak, Starak, ça prend quand t'as pas beaucoup de points de vie. Quand t'as pas beaucoup de points de vie, t'as Gordrinker qui va te rendre max de HP. Donc pendant que t'es sous shield, tu régènes beaucoup. Bref, c'est un petit peu dégueulasse comme coup. C'est le nouveau Warmog Gatma pour moi. Ah, alors c'est bien. On utilise non pas un, mais deux sweepers. J'espère que ça évitera les wards et les backs sur des wards ennemis. C'est bien côté Bilibili. On se rend compte de ses erreurs. Par contre, il y en a encore hein, ici des visions qui sont posées par les Reretom. Et on a vu que Aang était capable de mettre une éclipse solaire au meilleur endroit. On commence. Ce Nashor à deux, il tombe assez vite. Un troisième aiming. Qui arrive, aiming. Les auto-attaques qui se multiplient. Et là, on a peur. Du côté de Reretom, de Face Check. On a le Alistar qui est pas loin. On a tenté un taunt. Oh, la spire de Leyan. Mais ils sont claqués au sol. C'est pas possible. Non, mais ils voient la spire arriver. Non. Ils savent que l'Endali va pas sauter. Non, c'est un génie. C'est comme ça qu'il faut le voir, regarde. Oui, Leyan est un génie incroyable, mais j'en peux plus. Non mais genre ça c'est un joueur IG dirait Etidox. Ça c'est un joueur IG. Oh là 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 là. Mais c'est pas un ancien IG Nascad dirait ça, non, bien mais sûr. Sans Nascad déconner. Dirait ça. Est-ce que c'est pas du niveau NA? Regardez sa spire. Mais elle passe à côté, mais regarde, Bubu, il s'est projeté devant, il était prêt à la prendre. Il était en mode, elle est pour moi, j'arrive. Il la voit, la spire en plus, et il y a personne qui se dit, on va faire gaffe au smite. Genre. Je suis tellement. En fait, c'est juste que c'est décevant. Je suis. Ça met évidemment du dynamisme dans la game. Ça crée des rebondissements, bien sûr, Croc. Ça nous fait vivre des aventures exceptionnelles. Genre, le bus magique fait pas aussi bien. Mm-hmm. Mais tout de même, quelle déception. Mm-hmm. Le pire, c'est qu'avec toutes ces offrandes, Reretom est capable de perdre. Ça me ferait mal. Alors ouais. Que pourtant, on leur a fait quelques cadeaux là, hein, depuis le début. Oh là là. Incroyable. Je veux l'interview post-match. Hein. Même si j'y comprends rien, je veux l'interview post-match. Ah, je fais les traductions. J'ai pas fait encore mandarin. Oh, Par contre, là, on a un super intro avec le Alistar, pluie, le Galio derrière. On a la backline qui se prend, la totale. Météor qui élimine le support. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que Aiming est en place? Aiming face à Cube. Aiming, la totale. Aiming qui tient bon, mais pour pas très longtemps. Aiming est viscéré maintenant. Il ne reste plus beaucoup de joueurs Bilibili. Il ne reste que Marc, il ne reste que Météor. Oh là là. Cela signe peut-être la révolte des Reretom. Mais imagine s'il prenait l'antil. Bon, après, le problème, c'est que Aiming s'est pris le stun. Aiming, il aime pas flash, je crois. Genre, vraiment. C'est, depuis le début de la game, il y a plein de fois, avec son flash, il aurait pu faire. Genre, là, il flash le stun de Gnar, il peut faire un truc. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Pourtant, je dirais, l'intention était bonne, là. On a le Alistar, il touche sur trois personnes, le Galio. Mais mécaniquement, ils sont pas assez forts pour aller au bout de leurs idées. En fait, j'ai la sensation surtout que le focus, il est pas existant, regarde. Là, on sait que c'est High Boy et Fofo. On en a touché encore zéro. Biu-Biu, il focus. Oh, il met quasiment la totale sur High Boy. Mais High Boy, il a encore de quoi? DPS et surtout de régène. Aiming, là, il se repositionne à droite. J'aime bien cette idée. Et là flash le stun, quoi. Et le Galio, il est pas au bon endroit. Je pense que le Galio, il doit épauler Aiming et non pas épauler la Camille et sa mobilité. C'est marrant, mais Gardon m'avait raison. Je vois pas pourquoi c'est marrant. J'ai souvent raison quand même. C'est pas la première game de Gardon. Hein. Bah ouais, alors ça fait quand même 11 ans que je joue à League of Legends. Eh ouais, t'as 11 déjà ans. 11 ans. Tu sais de ce que j'ai raconté aux gens, mais je me suis senti très boomer. C'est le moment où j'étais en train de parler avec des joueurs et. Ouais, mais avec le bac et pendant les cours, il y avait les Worlds et puis il y avait des compètes. Je sais, bah, moi, à l'époque où il y avait ça, il n'y avait pas LOL en fait quand je passais ça. Et là, je me suis senti turbo boomer. Il y en a qui ont passé leur bac tout en essayant de passer bronze, silver, gold, platine ou évidemment dans ce chat, challenger, en essayant de gérer les deux, comme VTO par exemple. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et moi, c'est vrai que c'était pas mon cas. Bah non, nous. Après, on a vu ça à un âge de raison, Croc. Exactement. Mais bon, ici maintenant, il va y avoir un dragon à défendre. Dragon, âme des dragons, hein, potentiellement, du côté des Billy Gaming. Il y a une téléportation pour Biu-Biu. Forcément, Cube doit aller au top. Mais Cube est toujours face à une team qui a pas d'anti-heal. Du coup, c'est très gênant, je pense, hein, ce timing-là. On a un jet à tout de même du côté de Aiming. Bon. Il a un flash. Est-ce qu'il va l'utiliser? Je ne sais pas. Double lift, la fait. Est-ce qu'on a une nouvelle spire magique?
Oula. Deuxième étape. Alors, je sais le pas dragon. Si j'espère ou si j'espère pas. Zeka, il a un rabat dans la bulle. Contre, hein. Zeka, il va être gênant. Attention tout de même. On se met. Mais. Ok, ça va, l'aspirateur touche pas. Genre, mais j'ai cru que Zeka, il allait troll. Zeka, il est en mode ça touche pas, c'est bon. Wow. Après, c'est peut-être du troll entre joueurs coréens. Oh, mais non! Mais là, c'est peut-être un peu trop loin! Parce qu'on a utilisé beaucoup de l'artisanat offensif. Est-ce qu'on veut aller faire quelque chose? On met beaucoup de dégâts sur Eng. Eng qui pourrait disparaître. Eng qui a disparu même. Alors que les Reretom sont dans la panade. Ouais, c'est une grosse retraite ici de la part des Reretom. Alors que Bilibili push mid lane. C'est quoi l'idée là? C'est quoi l'idée? Il y a 4 dragons. Hein. Ça y est, il a été pris par Billy. Ouh! Oh, ça fait mal. Oh, la bulle! Attention, heureusement on a. Oh, ils ont fait cette heureusement il y a Fofo quoi, depuis le début. Ouais, c'est un peu ça. Heureusement il y a Fofo, je suis d'accord. Mais c'est pas fou parce que Inozo est dans les conditions défavorables. T'es vraiment pas bien, on va attendre le Nashor maintenant une minute. Heureusement il y a Fofo, mais c'est pas fou. Ah oui. C'est ça que tu m'as dit. Bientôt un album. Hein. Hey, je me produis tous les soirs chez O'Gaming, n'hésitez pas. Au théâtre de la main O'Gamienne. Venez faire coucou. Mais oui, alors moi, par quoi j'étais distrait quand je passais le bac? Bah, j'étais pas distrait parce que j'étais pas concentré de base. J'ai cette chance de. Il y a des gens génétiquement, ils sont grands, il y en a, ils sont forts, il y en a, ils sont drôles. Moi, j'ai pas toutes ces caractéristiques-là, juste j'étais fort à l'école. Moi, j'ai oublié de me lever pour aller au bac de mathématiques. Ah! Et c'est la proviseure qui m'a appelé. Sinon, je n'aurais pas eu mon bac. Voilà. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mais tu sais, Croc, que. Enfin, elle m'appelait pas Croc, mais. Martin de mon prénom. Oh, attends, il y a ton bac en fait, et ils m'ont mis du coup avec les tiers-temps parce que bah, j'avais pas le droit de rentrer dans la salle de classe. Voilà. Dur. Ça m'a pas empêché d'avoir une bonne note. Hein. Ah, c'est j'ai eu 7. Ouais, moi et les mathématiques. J'ai appris à compter grâce à League of Legends, attends, comme l'anglais. Ça peut pas être pire que Zerotic. Ah ouais? C'est comme ça pour ça qu'il s'appelle Zerotic? Bah je pense hein, parce que Zerotic après 2 il a pas assez de pouces pour compter. Ah. Et ça devient difficile. La violence. Non mais c'était très rigolo. C'est les écoles de commerce, je crois que ça n'aide pas. Oh, attention Emin qui s'avance un petit peu ici pour essayer d'aller sniper. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Marc, c'est excellent ici l'entrée dans le fight directement. On va tomber par contre sous Ange Gardien, les Yann derrière. Les Yann, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec mon Aspire qui ne va pas on se soulève? Attention, on tient bon côté Aiboy. Emin qui essaie de proposer. Emin, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Emin qui est complètement gratuit en termes de dégâts. Biu dans la mêlée directement. Cube, mais il est quasi increvable. Cube, heureusement que Emin est free DPS. Et ça va être la game, Croc. Je vais repasser au-dessus des 10 capons, je pense. Ils vont pouvoir aller terminer tout ça. Cube qui meurt enfin. Cube, mais il était immourable dans cette game. Oui, j'ai bien dit amourable. Aïe, 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 aïe. Et on va finir. Et les BLG vont faire croire que c'était facile face au Reretom en mettant un gros 2-0. Alors même que nous avons connu, nous, les vrais, les croiveurs, ce qui s'est passé tout simplement dans cette game. À la fois un match compliqué, un match âpre, un match où nous avons pu parler de beaucoup de thèmes différents. Merci les sports collectifs et individuels. Merci les courses de billes. Mais c'est surtout un match dans lequel on le voit. Les erreurs peuvent se multiplier. Si Reretom n'est pas capable d'utiliser les offrandes qu'on leur donne, c'est Billy qui gagne. C'est terrible. Et pour moi, ça reste un BO décevant. Le niveau était pas bon. Voilà, c'est ce que je vais retenir ici. C'est vraiment une grosse déception pour moi, tout ce qui s'est passé dans ces games. Bon, bah ça arrive, hein, on peut pas être au top tout le temps, bien sûr, mais je suis pas complètement convaincu. En tout cas, c'est une victoire du côté des Billy Gaming qui nous permettent d'avoir en ce moment des équipes un peu milieu bas de tableau qui font des games, qui prennent des points et qui vont un petit peu embêter les équipes comme IG qui est censé être au tableau et qui est pas fou parce que très inconstant, alors que RNG sont sur le toit du monde, Team WE sur le toit du monde aussi. Ça marche bien pour le coup, mais on sait pas exactement combien de temps ça a marché, ce que ça va donner jusqu'au bout. Après. Je pense que c'est le genre de match qui n'est absolument pas un match référence. Tu sais, parfois, dans le sport comme dans l'e-sport, t'as besoin d'avoir un peu des matchs références sur lesquels te baser, dire ça, c'était notre pic de performance. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Par contre, il y a un joueur sur lequel je suis plutôt content de voir qu'il arrive quand même à essayer de maintenir les choses de temps en temps, c'est Fofo. Avec Reretom, il a réussi à faire quelques plays intéressants dans le début de semaine. J'ai plus le nom de leur opposant qu'ils ont pris à défaut, qui était une assez grosse équipe. C'est Sunning, je crois. C'est Sunning, hein. Ils ont gagné contre Sunning. Ouais, mais Sunning, c'est pas très fort comme team. Actuellement, et là, qui doit être en train de crier chez lui. Ouah actuellement, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Fofo quitte Bilibili pour aller chez Reretom et continue à perdre. Oui. Ça veut dire que Bilibili Gaming s'est renforcé au mercato. Eh, c'est vrai. Et ouais, on peut dire ça. C'est vrai, effectivement. Bilibili Gaming, en tout cas, ça leur fait du bien. Ça leur fait gratter quelques points. On rappelle que tout en haut du classement, il y a la Team WE. Et pareil, je suis pas convaincu par eux. En fait, j'étais convaincu par les équipes au tableau l'année dernière. Mm-hmm.
JDG c'était très fort, Top Esports c'était très fort, IG ça pouvait être plus fort que tout le monde, ça pouvait être plus naze que tout le monde, mais on sentait quand c'était fort ça l'était vraiment. T'avais quelques équipes comme ça, Sunning c'était un petit poussé qui est bien monté on va dire. Les V5 quand c'était fort en début de summer c'était très fort aussi. Là actuellement même les équipes très fortes c'est pas du jeu très clean, et c'est peut-être ça qui m'embête le plus, c'est que bah, je suis désolé de faire le lien entre d'autres régions, mais la Monde c'est très fort globalement. Vraiment en général c'est très clean. FPX je pense qu'on a, on commence à avoir une sauce qui est pas mal, pas encore parfaite. Après, non plus, mais une sauce qui est intéressante. Le Spring Gardoum il est quand même pas mal pour ça. Oui bien sûr, c'est aussi pour ça le Spring, on le sait. Honnêtement mais... c'est le paillasson toujours pour les petites équipes, mais il y a pas mal de phases d'entraînement et de progression pour certaines. Oui, et ça pourrait être le cas pour FPX qui prend un nouveau top laner, une nouvelle fois un top laner coréen, et qui essaye de le faire fonctionner. Bah, et c'est bien, c'est qu'ils font des échanges. On sait qu'il est talentueux. On récupère Khan de chez T1, ça marche pas. On récupère le champion du monde et on leur donne Khan qui était avant avec T1. Est-ce qu'ils vont détruire les top laners? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attention, parce que si avec Nuguri ça ne passe pas, la répute que tu te tapes quand tu t'appelles FPX, genre nous on prend les meilleurs top laners du monde et on les réduit en bouillie quoi. TSM a réduit certains des junglers comme ça et après leur seule et unique possibilité c'est d'aller en NA, tu vois, point d'interrogation. Voilà, ça peut être une fin de carrière. On les casse plus NA, on veut des NA, on veut du LCS, on veut que leur sponsor majoritaire avec un tournoi un tournoi d'ouverture là qui s'est mis en place en LCS. LCS, alors il y a des soucis au niveau de la ligue en termes de niveau de jeu et tout, mais en termes de hype, de changement de format et tout, c'est régulier où ils essaient d'innover. Je trouve ça très intéressant vraiment en termes de production et tout ce qu'ils essaient de faire. Après, faudra voir ce qu'ils donnent face à Rare et Tom. J'ai hâte. Et le niveau FR, genre grosse ligue pour vous. J'ai rien compris, Scotty, mais il va falloir. Grosse ligue pour les AV. Grosse ligue. Okay. Je commente ça, oui, mais j'ai pas. Mais c'est pas sur cette chaîne. Mais du coup, côté LPL, on va avoir un autre match. Parce que là, on a fini le Rare et Tom contre BLG. D'ailleurs, si vous voulez nous spammer le MVP pour vous de la game, let's go. Et nous, on a quoi comme match alors? Alors, c'est EDG face à JDG. Ce qui fait beaucoup de DG, c'est EVSJ. Et du coup, c'est un très gros match. Très gros. Un très gros match. Normalement, les JDG, pour l'instant, en ce début de split, ils sont pas fous. Qui, habituellement, n'ont jamais eu une phase de lane extrêmement forte. Mais au moins, ils avaient ce côté très teamfight, teamplay qui était incroyable. Moi, ils avaient des teamfights parmi les meilleurs qu'il y avait du côté de la LPL. Là, au début, je suis un peu déçu. EDG, ça avait l'air pas mal quand c'était face à FPX, donc j'ai un petit peu d'espoir de ce côté-là. Et en MVP, moi, Croc, je voterai. Marc, il a fait une très bonne game avec son Alistar, je trouve. Je pense aussi. Si on peut récompenser en plus les supports qui ont été transférés, puisque Marc, c'était un joueur à LGD, c'est l'occasion aussi de le récompenser et de montrer qu'il est toujours aussi présent. Je pense que c'est quand même un support qui s'est... Je pensais qu'il y avait un peu le bonus LGD pendant son année précédente. Et au final, maintenant qu'il est chez, chez BLG, qui doit s'adapter aussi à une composition où il joue avec deux Coréens et du coup un nouveau Coréen en duo, ce qui n'est pas aussi évident que quand tu joues avec un mec à un playstyle chinois. Je pense que c'est assez intéressant de le voir progresser comme ça. Ça peut devenir le support bankable des playoffs et ou du entre le summer et le comme spring, un petit chien aussi l'année dernière quoi. Ouais carrément. Okay, donc c'est à noter. Hein. Je sais qu'il y a des fans EDG, voilà, genre votre pseudo dans le chat. Donc ça va être aussi un match important pour tous les fans EDG et un match encore où on va voir GV, j'imagine, pas Clear Love. Je pense, ouais. Clear Love, s'il n'est pas là en backup, vraiment en mode hop, on aide les joueurs, on apporte l'expérience un petit peu en mode bah non, là t'aurais dû faire ça parce que telle et telle raison et tout. Bah, la conférence de presse, c'est quand même. Il est en compète face à GG, tu vois. C'est pas en mode je suis coach. Oui, non, mais c'est intéressant d'avoir une arme à sortir dans un BO, parce qu'on rappelle, évidemment, ils peuvent changer de joueur pendant les BO. Ça peut changer les picks, ça peut changer de playstyle aussi, changer la dynamique d'une équipe. Et j'aime bien. Et on avait à l'époque, c'était du côté de la France, c'était NG et qui changeait comme ça. Et justement, parce que NG, il analysait les games et après, il prenait la place de Shox. Ça devait être chez Rogue. Ouais. Et j'aime bien cette idée où t'as le jungler qui analyse, ok, il joue comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, ok, prochaine game, je rentre et j'ai trouvé un plan. On l'a eu à un moment donné entre les Yann et Ning, si tu parles de jungle c'est pur. Il faut jouer une Sejuani, go mettre les Yann. Il faut jouer un Lee Sin, go mettre Ning. Camille tu vois. Jungle à l'époque aussi. Ou le Camille Jungle, exactement. Donc ça, ça va être intéressant à suivre. On attend le MVP de cette game entre Rare et Tom et Bilibili. Ça devrait pas trop tarder. Et on va suivre du coup le EDG contre JD Gaming. JD Gaming qui a quand même pas mal changé de visage. On le répète, mais du coup, ils ont une opposition sur la mid lane avec la possibilité de jouer avec Chie ou Yagao. Ouais. Et ils ont également deux ADK et pas des moindres, Loken et Mystique, deux ADC coréens dont les deux ont fait
Afrikaprix. Quasiment, pardon, ouais. Je pensais à Mystic Gaming, pardon, pour Afrikaprix. Je pense surtout que tous les deux se sont insérés sur le sol chinois en disant on s'installe pas juste pour faire des puntos et revenir en Corée. Mystic l'a fait, mais il est devenu papa et il s'est marié en Chine. Ouh. Il est devenu, il a eu un deuxième enfant en Corée et il est revenu en Chine en disant je veux m'installer et remontrer de quoi je suis capable. Tu aurais trop imaginé, toi, aller en Chine et puis découvrir une petite femme là-bas, faire ta vie en Chine et après on t'aurait vu à chaque fois à la caméra. Ouais, mais j'ai décidé de rester en France, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que on a l'histoire de Mystic et face à Loken qui est là depuis longtemps, qui a gagné le Spring Split quand même 2020 avec JD Gaming, ça fait quand même des grosses oppositions, hein. C'est beaucoup 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 de talent, en fait. Ah, j'aime bien des joueurs comme ça qui peuvent s'affronter pour donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois et en même temps se donner des conseils, puisque t'es à la fois concurrent et t'es partenaire. C'est un petit peu comme le milieu du cast, t'es à la fois collègue et puis et copain en même temps, c'est très rigolo. C'est ça. Voilà, JD Gaming, une équipe à suivre face à IDG. Honnêtement, je n'ai absolument pas d'idée de qui peut remporter ce match. C'est évidemment, IDG est un peu devant en termes de stats. Pour l'instant, oui, et à moins que les JD Gaming aient réussi d'un seul coup à se mettre en place. Tu peux nous donner les adversaires qu'ils ont déjà battus chacun ? Parce que mon ordinateur refuse de marcher. La souris, on me donne un matériel défectueux. Alors, eux déjà battu OMG. Ouais, JDG se sont fait éclater par IG. Ah, ça c'est un peu triste. Déjà, bon, l'annonce elle est importante. Ensuite, on a eu quoi ? On a eu JDG qui a battu Bill Gaming, qu'on vient de voir ici. Ouais, bon. On a eu EDG qui a battu FPX, ça par contre c'est important. Waouh. Ensuite, on a eu EDG qui a battu LGD. C'est pas mal. Et puis voilà, à peu près. Effectivement, ok, donc c'est encore le début de saison. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se donner. Mais JD Gaming a battu un gros et s'est fait battre par un gros. Et IDG a battu plus tous les gros qu'ils ont rencontrés. Billy d'ailleurs, qui prend des points avec Marc, surtout, qui prend son premier point de MVP. On l'espérait, c'est complètement mérité. Autant sa première game m'a pas convaincu avec le All-Star, c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. Autant sa deuxième game était exceptionnelle. Le taureau a vu rouge, le taureau a fait pas mal de plays, il se présente bon endroit au bon moment. Il a trouvé d'excellents engages de fight. Hein. Mais du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense qu'on va pouvoir vous quitter sur ces quelques replays. Et on se retrouve après la pause ensuite pour le deuxième BO de la LPL, EDG-JDG. A tout de suite. LPL 上单风格的显著转变，曾经 LPL 上单万古如长夜，如今已经月明如昼，流光溢彩。刺得快，刺得很。我觉得自己的评论区是，现在还是最好的女帮主。你都能明白，在哎又来了，再一次五人上场，急如焚烧，拿着大的牌颠翻的呀。有关去年的记忆再一次汇聚到峡谷上路。这场比赛既分胜负，也分高下。新的 LPL 已经到来，并且它还会更加精彩。欢迎来到 LPL。